peu haut. Hein. Oui. Comment là c'est? Avec lesquels vous allez passer avec quelqu'un vont définir ce qu'il peut penser, ce qu'elle peut penser. It's just a matter of the perception. C'est juste une question de perception. Then there is something else they call reality. Et il y a quelque chose d'autre qu'on appelle réalité. Realities, la réalité, oftentimes, souvent, is you the only one who knows that reality. C'est seulement vous qui connaissez votre réalité. Whatever people they have on you, tout ce que les gens peuvent penser sur vous, is just their own opinion and perception on you. C'est juste leurs opinions et leurs perceptions sur vous. But the reality, mais la réalité, is you the one who knows. C'est vous seul qui la connaissez. Or, the reality is that when I wake up in the morning, I look at myself in the mirror. La réalité, c'est quand je me lève le matin, je me regarde dans un miroir. And you say to yourself, I love that person or I hate that person. Voilà, tu t'es dit, j'aime cette personne que je suis ou je déteste ce que je suis. You never happened. It happened to you like ça that. Ça ne vous est jamais arrivé. You wake up. Vous vous réveillez. You look at yourself in the mirror. Vous regardez dans un you miroir. You say, I don't like that guy. Vous vous dites, ah, je n'aime pas ces gars. That's the reality. Ça, c'est la réalité. Of who you are. De ce que vous êtes. Is on your own person. C'est à vous seul. And on your own place. Et c'est à votre propre endroit que vous. We want to talk about the challenge of leadership around the world. Nous voulons parler sur les défis du leadership dans le monde. In the 21st century, dans au 21e siècle, when we speak about leadership, quand nous parlons sur le leadership, we are speaking about every concept of life. Nous parlons sur tous les concepts de la vie. Because in the leadership, parce que dans le leadership, we see politics. Nous voyons la politique. In the leadership, dans le leadership, we see entrepreneurship. Nous voyons l'entrepreneuriat. In the leadership, dans le leadership, we see architecture. Nous voyons l'architecture. In the leadership, dans le leadership, we see law inside. Nous voyons le droit. In leadership, dans le leadership, we see human resources. Nous voyons les ressources humaines. In leadership, dans le leadership, we see management inside. Nous voyons les management. So the reality is this, though. Alors, la réalité est celle-ci. When we speak about leadership, quand nous parlons sur le leadership, everything, chaque chose, is covered inside. Et au dedans de ça, John Maxwell said, John Maxwell a dit, everything rises. Tout s'élève, and everything falls, et tout tombe by leadership. Par le leadership. Leonard Sweet said, Leonard Sweet a dit, on his book, Someone to Lead, dans son livre, Quelqu'un à diriger. Yes, he said that everything in the world, il a dit, toute chose dans le monde, has only one answer. Il n'a qu'une seule réponse. It's a leadership. C'est un leadership. Carmen Paulus a dit, he said that the leadership, il a dit que le leadership is the antidote, c'est l'antidote to the problem of humanity. Au problème de l'humanité. So, I can continue over and over. Je peux continuer à citer et à citer. Desmond Tutu says, Desmond Tutu a dit, when they came to us, quand on vient vers nous, when they came to us, quand ils sont venus vers nous, they came with Bibles. Ils sont venus avec des Bibles. They left us with the Bible. Ils nous ont laissé avec la Bible. And they took our land. Et ils nous ont pris nos terres. He was talking about the colonization. Il parlait de la colonisation. He said when they came to us. Ils ont dit, il a dit quand ils sont venus vers nous. They came with the Bible. Ils sont venus avec la Bible. They gave us Bible. Ils nous ont donné des Bibles. The time we wake up. Et quand nous sommes réveillés comme ça. They took all the land. Ils ont déjà pris tout nos terres. When you continue reading. Quand vous continuez la lecture. Desmond Tutu says. Desmond Tutu a dit. The things that we missed. La chose que nous avons manqué. It was to understand the leadership. C'était de comprendre le leadership. In 1960. En 1960. To 1965. Jusqu'en 65. The world has faced the age they call the age of independence. Le monde était en train de traverser l'âge de l'indépendance. In that time, Singapore was not colonized. À ce temps-là, le Singapour n'était pas encore colonisé. In that time, Malaysia was not free from China yet. À ce temps-là, la Malaisie n'était pas encore libre de l'occupation chinoise. I know where I'm taking you. Stay with me. Je sais où je vous amène. My note is here. Mes notes sont dans ma tête. I have only points I'm going to look at. J'ai juste des points que j'ai marqués.
In 1960 to 1965, African nations start to arise. Les nations africaines ont commencé à s'élever. You have a Ghana in the place. Nous avons eu le Ghana. You have a Nigeria in the place. Nous avons le Nigeria. You have a Congo in the place. Nous avons eu le Congo. All those countries start arising. Tous ces pays ont commencé à s'élever. Because the wave of revolutionary leadership took place. Parce que la vague de la du leadership révolutionnaire a pris. You have Uhuru Kenyatta, nous avions Uhuru Kenyatta au Kenya, the father in Kenya, le père de la démocratie, who stood up, qui s'est levé, he resisted against the British, et il a résisté les Anglais. You have Kasavubu in the Congo and Lumumba, Kasavubu et Lumumba ici au Congo. You have in Ghana the rise up, au Ghana nous avions they start asking for the independence. Ils commençaient à demander l'indépendance. They wanted to be free, ils voulaient être libres from the system of the bondage. Système colonial qui les liait. But in order to break that bondage, mais pour briser ces liens, you require one thing. Ils avaient besoin d'une chose. Revolutionary leadership. Le leadership révolutionnaire. Without leadership, sans le leadership, problem won't be solved. Les problèmes ne vont pas trouver de solution. Without leadership, sans leadership, society won't change. La société ne va pas changer. Without leadership, sans leadership, family will be destroyed. Les familles vont être destruites. You know when they say the father is the chief of the house. Vous voyez qu'on dit que le père est le chef de la famille. They just say the father is the leader of the house. On dit en d'autres termes que le père est le leader de la famille. Are you understand where I'm going? Vous comprenez ce que je dis? So every crisis of humanity. Maintenant, chaque crise dans l'humanité has only one answer. A juste une seule réponse. Leadership. Le leadership. By the grace of God, par la grâce de Dieu, I travel almost 17 countries every year. Je voyage à peu près dans 70 pays chaque année. 17 every year. Pour chaque année, 17 pays. That is a statistical. It is just to reduce, but it's way more than that. Voilà, ça c'est le statistique. On diminue toujours, mais c'est un peu plus. It's au-delà. Way more than that. C'est un peu plus au-delà. I found out around the world. J'ai découvert dans le monde that the countries that they are conscious about the leadership. Les pays qui sont conscients du leadership. They became very strong. Ils sont devenus très forts. The countries that are not conscious about leadership. Et les pays qui ne sont pas conscients du leadership. They still lacking. Ils sont toujours en manque. Maybe 1970. 1970, maintenant 70. After Malaysia break out from China. Après que la Malaisie se soit déconnectée de la Chine. Just for information, there used to be one country. Et voilà, une information, il y a un seul pays. China and Malaysia used to be one country. La Malaisie et la Chine étaient un seul pays. Then when they break out. Quand ils se sont séparés de la Chine. They tried to become autonomous. Ils essayaient de devenir autonomes. Then one guy. Et un monsieur. He wanted also the city of Singapore to break from China and from Malaysia. Il voulait aussi que le Singapour se sépare de la Malaisie et de la Chine. Then he break and remove Singapore. Et il a enlevé Singapour de ces deux pays. Then he decided. Et il a décidé that Singapore has to go in a different direction. Que le Singapour devait aller dans une direction différente. He did a systematic study of the people. Voilà, il a fait une étude systématique de gens du peuple. Then he realized. Et il a compris that. Singapore will require to go in this kind of direction. Que le Singapour avait besoin d'aller dans cette direction. And you remember that time Singapore was under all those countries was under the British influence. Voilà, souvenez-vous quand à cette époque le Singapour et tous ces pays étaient sous l'influence britannique. Then he made his decision. Et il a pris cette décision to leave the country under the capitalism mind. Laisser le pays entre les mains des capitalistes. Because he didn't want to do socialism. Parce qu'il ne voulait pas faire le socialisme. He didn't want to do communism. Il ne voulait pas non plus du communisme. Like in China or like in Malaysia. Ou en Malaisie. And immediately. Et immédiatement. In capitalistic world. Dans le capitalisme.
In the capitalistic world, there is a freedom. Dans le monde capitaliste, il y a la liberté. You rise, you do whatever you want. Vous faites ce que vous voulez. In America, you can wake up today poor. En Amérique, vous pouvez vous lever aujourd'hui de manière pauvre. À 16 heures, you become a millionaire. Vous devenez millionnaire. You wake up rich. Vous vous levez le matin pauvre le matin à 6 heures. 16 heures. À 16 heures. Millionnaire. Only one thing. Seulement une seule chose. Idea. Les idées. You come out with a solution. Vous sortez avec une solution. Your life will change. Votre vie change. So, et when they break Singapore, quand ils ont séparé Singapour, he knew that he has to go to a second stage. Il savait qu'il devait aller dans un second état. Not only to lead the country, non seulement de diriger le pays, but he had to work on the mind of the people. Il devait travailler sur le mental des gens. I really believe, je crois vraiment, that's where Congo is. C'est là où le Congo est. Mentality. La mentalité. If we work on mentality, si nous travaillons sur la mentalité, we will resolve a lot of problems. Nous donnerons des solutions à beaucoup de problèmes. I don't want to touch too much that today. Je ne toucherai pas vraiment ces points-là. Then he moved to what we call capital humain, human capital. Il est allé dans ce que nous appelons le capital humain. The answer to the world. La réponse au problème du monde. It resides in two things. Réside dans deux choses. Leadership. Le leadership. And human capital. Et le capital humain. The answer to the world. La réponse au problème du monde. All my friends in Twitter. Tous mes amis de Twitter. I want you to start tweeting. J'aimerais que vous commenciez à tweeter maintenant. All my friends in Twitter. Tous mes amis. Just say, Dr. Shirandi, the answer to the world. La réponse au monde. It's only two things. C'est seulement deux choses. Effective leadership. Un leadership efficace. And the human capital. Et le capital humain. If we develop human capital, si nous développons le capital humain, all the problems of humanity are solved. Tous les problèmes de l'humanité vont être résolus. Who knows the best computer geek in the world? Qui connaît le meilleur fabricant des ordinateurs au monde? Computer geek, it's not really fabricant. Technicien, informaticien, smart. Les plus intelligents. What is the country where people are the most computerized, very strong in the world? Okay. Quel est le pays où les gens sont avancés dans l'informatique au monde? I will buy Coca for you. Je vous achète un Coca. C'est lui qui donne la bonne réponse. Only Coca. Yeah, I'm the buy it. It's which country? C'est quel pays? Huh? L'Inde. Japon, Chine, la Corée du Sud, hein? L'Inde, Japon, Corée du Sud, Chine, Corée du Sud. What is the country? Is in way far, even America. Même l'Amérique, quel est le pays le plus avancé? In technology. Dans la technologie. In technology is in the United States, but informatic, computer, data programming, smart, fixed computer, it's only one country in the world. Le pays le plus avancé technologiquement, c'est les États-Unis. Mais le pays le plus avancé en ce qui concerne le domaine informatique, les réseaux, la connexion, tout ça. Database. All those. Even in the United States. Même en Amérique. When you call. Quand vous appelez. Those people, they are there. Ces gens-là, ils sont là. They go way back to the country. Yes. Huh? Everyone, qui a parlé de l'Inde? Qui a parlé de l'Inde? It's India. C'est l'Inde. You know why? Vous savez pourquoi? Because in 1985. Parce qu'en 1985, the Prime Minister of India. Le Premier ministre de l'Inde. India was going in the same problem that Congo is facing. L'Inde était en train de faire face au même problème que le Congo est en train de faire face aujourd'hui. The executive branch. La branche exécutive. It was from another party. C'était d'une autre partie. Legislative branch. La branche législative. It was in another party. C'était aussi d'une autre partie. So they were fighting all the time. Et ils se battaient entre eux tout le temps. And the prime minister. Maintenant le premier ministre. He started looking.
What do we need to do? Il a commencé à chercher que devons-nous faire? In order to help the economy to go higher. Pour aider l'économie à monter. He did this. Il a fait ceci. He said, "We are going to give scholarship." Il a dit, nous avons donné des bourses d'études to all the Indians. À tout Indien. Who's not going to have excellence in school? Qui va réussir avec une note excellente dans le cours? If you finish with excellence, si vous terminez avec excellence, no matter which university, qu'importe l'université d'où vous venez, India will send you around the world. L'Inde va vous envoyer dans le monde. So India look at it, say, what the country they have the best technology? Voilà, l'Inde a cherché quel est le nom des pays qui a la meilleure technologie. He found that it was United. Ils ont découvert que c'était les États-Unis. So he start sending all the Indians to Europe. Et ils ont commencé à envoyer les Indiens étudier aux États-Unis. He start sending them to the Great Britain. Ils ont commencé à les envoyer en Grande-Bretagne. Et ils les ont envoyés au Canada. Those three countries, ces trois pays, if you go there, si vous y allez, Indians are like peanuts. Les Indiens sont comme des cacahuètes. Everywhere. Partout. They send them there. Ils ont envoyé. They told them, you go there. Ils leur ont dit, allez-y. Study. Étudier. Then come back to the country. Et puis revenez au pays. You work for 5 years in the country. Vous allez travailler pendant 5 ans au pays. After 5 years. Après 5 ans. You finish your debt. Vous allez finir terminer vos dettes. And then you will do whatever. Et là vous ferez tout ce que vous voudrez. That's what made the Indians strong. Et c'est ce qui a rendu l'Inde fort. As soon as they came back. Aussitôt qu'ils sont revenus. All the brain together. Tous ces cerveaux ensemble. By 1990, en 1990, India took all the market of the computer. L'Inde a pris tout le marché dans le domaine informatique. That's right, yeah. And 1990, they took all. En 1990, ils ont tout pris. The time United States wake up. Et quand les États-Unis se réveillent, it was really trop tard. There are billions of people in the world. Il y a des milliards de gens dans le monde. India are billions. Les Indiens sont en milliards. So, they are 1 billion. Ils sont à 1 milliard. It's a lot. C'est beaucoup. So, you are sitting here. Et vous êtes assis ici. Because you are a leader. Parce que vous êtes un leader. I want to be very practical. Je serai très pratique. You are sitting here because you are a leader. Vous êtes assis là parce que vous êtes un leader. The first question. La première question I have to ask you, que je vais à vous demander, do you know your leadership strength? Savez-vous, connaissez-vous la force de votre leadership? Do you know what is your strength? Connaissez-vous quelle est votre force? Do you know what is your weakness? Savez-vous quelle est votre faiblesse? I'm going to talk about the leadership capital humain. Je parlerai du leadership du capital humain. Let me be honest with you. Laissez-moi être honnête avec vous. Do you know your strength? Connaissez-vous vos forces ou votre Do you know your weakness? Connaissez-vous votre faiblesse? You want to go sell clothes. Vous voulez aller vendre les habits? But you don't talk to people. Mais vous ne parlez pas aux gens. How are you going to sell that? Comment allez-vous vendre cela? You are introverts. Vous êtes introverti. You don't meet people. Vous ne rencontrez pas les gens. But you want to do business. Mais vous voulez faire des affaires. You want to go to Dubai, buy the clothes. Vous voulez aller à Dubaï. How are you going to sell them? Comment allez-vous les vendre? Do you know who you are? Vous savez qui vous êtes? Savez-vous qui vous êtes? Question number one. La première question. Write this down. Écrivez ceci. What is my strength? Quelle est ma force? Écrivez cela. Quelle est ma force? What is your strength? Quelle est ma force? You will never become greater than your strength. Vous ne deviendrez pas plus grand que la limite de votre force. Do you know your strength? Connaissez-vous votre force? If your strength is design, si votre force est dans le design, let's invest in the design. Investis dans le design.
That's what I'm going to help you today. C'est comme ça que je vais vous aider. If your strength is in agriculture, si votre force est dans l'agriculture, let focus on agriculture. Concentrez-vous sur l'agriculture. If your strength, if you talk too much, si vous parlez beaucoup, so that means your strength is your mouth. Et si vous savez que votre force c'est votre bouche. No, if you treat yourself no, if you talk too much, si vous parlez beaucoup, your strength, c'est que votre force is your mouth, c'est votre bouche. So this means, ça veut dire, your mouth, votre bouche, is your life, c'est votre vie, and is your killer. Et c'est que vous tuez. What is your strength? Quelle est votre force? What is your strength? Let's start identifying your strength first. Commencez par découvrir votre force. There is no reason. Il n'y a aucune raison. You don't have a job. Vous n'avez pas de travail. I will repeat this again. Je le répéterai encore. And I will say this louder. Et je le dirai plus haut. I said that earlier. Je l'ai dit tôt. Last year. L'année passée. The year before. L'année d'avant. And I will repeat that today again. Je le répéterai encore aujourd'hui. The government. Le gouvernement. Does not create jobs. Ne crée pas de travail for the people, pour les gens. Statistics has been proven. Les statistiques l'ont prouvé. Government, les gouvernements, does not create jobs. Country like a Congo, les pays comme un pays comme le Congo, 75% of the budget of this country, du budget de ces pays, 65% of the budget of this country, du budget de ces pays, paye les gens de l'État. Mm. Est-ce que vous le savez? Hein? Est-ce que vous le savez? 65% of the budget of Congo, du budget du Congo, paye the people of the government. Paye les gens du gouvernement. Do you know that? Vous le savez? Oh, you look at me like you know. Vous me regardez comme ça comme vous le savez. Yes. That mean, ça veut dire the country functions alpha with only 35%. Ça veut dire que le pays fonctionne avec 35%. Fachi peut-être béton. And you hear me? Écoutez-moi. Fachi peut-être béton. Kabila peut-être qui il est. If that reality is not changed, si cette réalité ne change pas, that country ne va pas décoller. Exactly. Do you understand what I'm saying? Comprenez ce que j'ai dit. I want you to understand what I'm saying. Que vous compreniez ce que I want you really to understand what I'm saying. Je veux vraiment que vous compreniez. I assume what I'm saying. J'assume ce que je dis. In my life, dans ma vie, my simple life, ma simple vie, I advise 5 presidents in the world. Je conseille 5 présidents au monde. 5. I advise ministers and politicians in the world. Je conseille les ministres et les politiciens partout au monde. So nothing surprises me around the world. Okay, rien ne me surprend dans le monde. If si we don't change, nous ne changeons pas. Some realities. Certaines réalités. Nothing will change for us. Rien ne changera pour nous. The government. Le gouvernement. Does not create people. Matter of fact, Ronald Reagan said. En effet, Ronald Reagan a dit. The president of the United States. L'ancien président des États-Unis. He said that. My job. Il a dit que mon travail is not to create a job for you, Americans. N'est pas de créer du travail pour vous, les Américains. But it's to give you a conducive place. Mais c'est vous donner un endroit approprié. So you can apply, you can find your own et job. Et là, vous-même, vous pouvez postuler et trouver votre propre emploi. Mais I go to Mwanda. Mais j'ai dit à Mwanda. Pasteur Marinel comes from Mwanda. Pasteur Marinel est venu de Mwanda. Come all the way from Mwanda. Vient this meeting. I go to Mwanda. I went to Mwanda. J'étais à Mwanda. I was in Congo Central 3 weeks ago. J'étais au Congo Central il y a 3 semaines passées. And I went to Angola 3 weeks ago. J'étais aussi en Angola 3 semaines passées. Hear me this. Écoutez-moi ça. When I look at what's going on there. Quand je regarde ce qui s'y passe. There's no way. Il n'y a aucun moyen. That the people can live in poverty. Que les gens vivent dans la pauvreté. Question number one, what is your strength? Maintenant, la première question, quel est votre of Congo. Le problème du Congo, vous avez trop de langues de français.
Les gens ne mangent pas les Français. Donc, tu peux parler français, hein? Non, et c'est fini. Les factures, français ne va pas payer ça. Hein? Les crédits, français ne va pas payer ça. Il y en a, c'est là, vous comprenez? Water, français ne va pas payer ça. Hein? L'eau français, courir, monter, descendre, les français vont payer ça. Ok? Diplôme. Les diplômes? Où on paye les factures? Ne paye pas les factures. I don't want you to stop studying. Je ne vous dis pas d'arrêter les études. I study myself. Moi, a lot. J'ai beaucoup étudié. But, mais, diplôme. Les diplômes? Won't do it for you. Ne vous paiera pas les factures. Diplôme, it just gives you tools. Les diplômes vous donnent juste des outils. Now, the question becomes. Maintenant, la question devient your strength. Votre force. I want you to identify your strength. J'aimerais que vous identifiez votre force. When you identify your strength, quand vous identifiez votre force, invest in your strength. Investissez dans ça. You see my strength. Vous voyez ma force? It's only two things. C'est juste deux choses. It's my head. C'est ma tête. And my mouth. Et ma bouche. Maman. Opération. I want you. Oh médecin, maladie. Oh talanol. Oh bien petit comme encore. Tire le nom. J'écoute tous les problèmes. Je résume ça en quelques lignes. Je lui donne la réponse. Et je quitte, je reçois mon paiement, je marque. J'ai identifié ma force. You know my strength? Vous savez ma force? This is what I do. C'est ce que je fais. À l'université, mes étudiants. I teach, I speak with them, je parle avec eux. I don't teach because I need money. Je n'enseigne pas parce que j'ai besoin d'argent. Non. I teach, j'enseigne because it's a part of my parce que ça fait partie de mes passions. It's part of my strength. Ça fait partie de ma force. I teach faculty of law, faculty of business, all these things. J'enseigne faculté de droit, des affaires. No, it's not because I need the money. C'est pas parce que j'ai besoin d'argent. Non. I teach, j'enseigne because it's a part of my strength. Parce que ça fait partie de mes forces. So I'm trying to help each one of you to identify what is your strength. Je suis en train d'essayer de vous aider. I promise you. Je vous promets. Même mettre les chaises comme ça, hein, visser tout ça, je ne saurais pas. Non, à où? Je ne saurais pas. It's not part of my strength. Ça ne fait pas partie de mes forces. But there are people. Mais il y a des gens. Who I bought a bed for my daughter. J'ai apporté un lit pour ma fille. No, I bought a bed. J'ai acheté un lit pour ma fille. I don't know in the Congo, but you need to ask. Je ne sais pas au Congo. I can only talk to us. Je ne parle que de chez nous. Nothing comes together. Rien ne vient assemblé déjà. Nothing. Rien. Everything. Tout. Peace. Bien détaché. You have. Vous avez. To figure out. À découvrir how to put that comment faire pour les rassembler. But that is not the thing. Mais ça c'est pas encore. They did that on purpose. La chose c'est qu'ils font ça à dessein. You know why? Vous savez pourquoi? Because they need people like me. Parce qu'ils ont besoin de gens comme moi. To hire. Pour engager. Give the job. Donner du travail. You understand? Vous comprenez? To the people who they do manual work. Aux gens qui travaillent avec leurs mains. So the people who they will do manual work. Et maintenant les gens qui travaillent avec leurs mains. They will be able to do that. Ils seront capables de le faire. So the person hear this up. Écoutez. The person who's supposed to put the bed. I'm telling you the true story. Je vous dis une histoire. The person who's supposed to put the bed for my daughter. La personne qui est censée rassembler les lits pour ma fille. Is charging. On le paye. $100 enough. $100 par heure. You understand? Vous comprenez? Huh? $100 $100 par heure. Maintenant, mon plombier. Charge $100 hours. On le paye $100 par heure. Pharmacien. Le pharmacien. $100 par heure. $100 par mois. Par heure, plutôt. You understand the difference? Vous comprenez? Vous voyez la différence?
The one who gives the medicine. Celui qui donne les médicaments. $100 an hour. $100 par heure. The plumber. Le plombier. On his job. Avec son travail. $100 an hour. $100 par heure. So you don't envy somebody else's job. Vous n'allez pas envier quelqu'un d'autre. Vous avez tous le même salaire, mais chacun dans son appel. You understand the reality. Vous comprenez la réalité. Huh? You understand. Vous comprenez. But you know when you are lawyer. Mais vous savez quand vous êtes juriste. We make like $500 an hour. C'est peut-être $500 par heure. Oh, $600 an hour. $600 par heure. You understand the mathematics. Vous comprenez cette mathématique. So, someone like me. Quelqu'un comme moi. À bon de bed. J'ai acheté un lit. I look at it. Je regarde. I touch my head. J'ai touché la tête. I don't know where is the head. Je ne sais pas où est la tête. Où this go where? Catch this. What is that? No idea. Je n'ai aucune idée. And in the box, they say. Et dans la boîte, on a un clock. The box carton. Oui. Oui. If you cannot, si vous ne savez pas le fixer vous-même, call this number. Appelez ces numéros. See, they give job. Ils ont donné du travail. To those who they don't have. À ceux qui en ont pas. Are you understand what I'm vous saying? Comprenez ce que j'ai dit? You understand the phenomenon vous here? Vous comprenez ce phénomène? Number one, I want you to identify your strength. Premièrement, j'aimerais que vous puissiez identifier votre force. Success comes with your strength. Le succès vient avec votre force. The problem is that you envy too much people in the politics. Le problème est que vous enviez beaucoup de gens dans la politique. And some of them they have money, but it's your money. Certains d'entre eux ont l'argent, mais c'est votre argent. Huh? You know that, huh? Vous les avez. It's your money. They become rich with your money. Ils sont devenus riches avec votre argent. Huh? But now I need you to identify what is your strength. Maintenant, j'aimerais que vous identifiez quelle est votre force. Today, each one of you identify what is your aujourd'hui, strength. Aujourd'hui, que chacun de vous identifie quelle est ma force. You are here. Vous êtes là. You can't even agree to somebody. Vous n'avez même pas la possibilité you de can't even know to smile. Même sourire à quelqu'un. So how can you sell les habits de Dubaï? Mais comment pourriez-vous vendre les habits de Dubaï? Qui va acheter? You see? Vous voyez? Oh, à cause de la crise. No. Don't do what is not your strength. Ne faites pas ce qui n'est pas votre force. You understand? Vous comprenez? You understand? Vous comprenez? You understand? Vous comprenez? When you do what is your strength, quand vous faites ce qui est votre force, you open door for your own success. Vous ouvrez les portes à votre propre réussite. Number two. Deuxièmement, what are your limits? Quelles sont vos limites? What are your limits? Quelles sont vos limites? There's a second question. Ça, c'est la deuxième question. What are the things I cannot do? Quelles sont les choses que je ne peux pas faire? Number one is my strength. Number two, what are the things I cannot do? C'est ma force. Et deuxièmement, quelles sont les choses que je ne saurais pas faire? I tell my students. J'ai dit à mes étudiants. You invest. I don't know the Congo. Hein? Je ne sais pas pour le Congo. You invest all these years. Vous avez investi toutes ces années. To study droit. Pour étudier le droit. You finish. Vous finissez. You don't want to take the barreau. Vous ne voulez pas aller au barreau. Je suis malade. So I sit down and say, why did you do all this? Et maintenant, pourquoi vous avez fait toutes ces années-là en faculté de droit? And you don't want to take the barreau. Et vous ne voulez pas aller au barreau. Because you said. Parce que vous. Apparently, au Congo, you have to do the barreau to become a magistrat. Apparemment, si vous allez au barreau, vous devenez un magistrat. Lawyer. 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 Juriste, c'est parce que tu as fini les études. Juriste, c'est des formations. Et c'est ça le problème de francophonie. Tu n'as jamais été formé encore en tant que juriste. Juriste, c'est des formations. Tu fais le barreau, tu es avocat. En tant que tu fais le barreau, tu deviens avocat. Donc, jure. And which is totally different. C'est qui est totalement différent. Hein, tu avais pris un système belge. Oui. Hein? Yes. Ah. So you become a qui encore? Juriste. Juriste. Et donc, c'est quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Juriste. Bon, ils choisissent entre trois options. Soit dans la profession. Soit ils sont dans la profession libérale. Aujourd'hui, la profession libérale, il y a l'avocature et il y a les huissiers de justice. Et soit ils vont dans la profession
auprès de l'État comme magistrat et tout ça. Comment devenir magistrat sans passer par les barreaux? Non, ici tu peux juste écrire, je crois, au niveau des autorités et on va organiser un test. Ce test n'est pas trop régulier, c'est à 2-3 ans et quand tu réussis le test, tu vois, tu as une formation et puis tu peux devenir magistrat. So, magistrat et avocat, qui est au-dessus de l'autre? Je suis magistrat, oui. Mais attention, les avocats, c'est une profession qui est libérale. Le magistrat, lui, il est vraiment sous l'État. Le gouvernement, c'est sous l'État. Lui, il est là pour rendre la justice. Mais le magistrat, c'est sous l'ordonnance, non? Oui. Hein? Oui. Affectation à l'ordonnance. Oui. Now the question is become. La question est bien. Qu'on peut affecter sans pour autant passer les barreaux. Oui. Hein? Avec la magistrature. Vous voyez pourquoi vous avez des problèmes d'interprétation des lois? Pourquoi déjà la Constitution est lui-même déjà un problème? La Constitution en elle-même, c'est un problème. Vous comprenez? Because, parce que avec cette explication, même moi, si je suis au Congo, je ne vais même pas faire les barreaux, je ne vais pas me tuer les barreaux, je vais utiliser seulement mes contacts, et puis on me donne une ordonnance, hein? Ordonnance, on me met magistrat. Mais le problème, c'est que you went higher without going to the process. Vous êtes arrivé au sommet sans faire le processus, passer par le processus. Ça, c'est un problème. So, I use that as an example. J'ai repris comme un exemple. To help you to understand. Pour vous aider à comprendre. In life, dans la vie, you have to follow all this process. Vous avez besoin de suivre toute la procédure. Knows what are your limits. Quelles sont vos limites? Whatever your limits. Quelles sont vos limites? Stay away from that. Mais non, restez loin de vos limites. The law of momentum. La loi du momentum. Says this. Dit ceci. Do your strength. Faites votre force. Delegate your weakness. Délègue tes faiblesses. Do your strength. Faites ta force. Delegate your weakness. Délègue ta faiblesse. So, if I'm like Rose. Si je suis comme Rose. Rose has a business. Rose a une affaire. She sells. Rose, tu peux aller venir là au magasin même. Je te donne l'exposure. Pas de problème. Je vais faire le CD. Je suis dans la vie, hein. Okay. Je prends les habits pour hommes, femmes et enfants. Ok. So, you see, she sells clothes. Come on. Give her. Elle vend les habits. Give Victoria a mic. Give Victoria a mic. So, Victoria, say to them where your business is. Je suis dans la vente des vêtements également. J'ai une petite amie. Ok. Alors, give the lady my hand. Take the money, give the lady my hand. So, maintenant, c'est quoi? Je suis dans la décoration et la vente des vêtements. Ok. Take the money. Anybody else here? I cannot receive. Yes, go give the mic to that young man. Je suis social media manager et community manager. Ok. Social media manager, c'est vous dire quoi? Gestionnaire des réseaux sociaux. Et... Ah, petit, c'est vrai? On te paye, si je t'engage, je te paye combien pour moi? On va signer un contrat. Un contrat? Oui. Ah. Pour que tu deviennes un électron libre. Ah. Petit, qui n'a pas électron libre? Non, jamais. Ah. So, you see, she's selling clothes. Elle vend les habits. She's selling clothes. Elle vend les habits. She's in the decoration. Elle est dans la décoration. She's in the social media. Elle est dans les réseaux sociaux. You see, everybody are different. Chacun est différent. Everyone here is different. Chacun ici est différent. Everyone here is different. Chacun ici est différent. Who is in the architecture here? Qui est dans l'architecture ici? Oh, if my brother is in architecture. Mon père est dans l'architecture. You see? Vous voyez? Architecture. Petit. You coming now? Huh? C'est maintenant que tu viens. So everybody is in a. Some people are back there in architecture. Alors, here it is. Écoutez ceci. If today, si aujourd'hui, I use example of Rose. Je prends l'exemple de Rose. With her husband. Avec son mari.
They say Rose does the selling. Rose est dans la vente. And the husband is in accounting. Et son mari est le comptable. Because they understand that one knows how to keep the money. Parce qu'ils savent que quelqu'un sait comment gérer l'argent. And the other one knows how to convince clients. Et l'autre sait comment négocier avec la clientèle. You understand? Vous comprenez? Hey, that's the law. Ça c'est la loi. They know the limits. Ils savent leurs limites. You cannot succeed in your business. Vous ne pouvez pas réussir dans votre affaire. If you want to do everything by yourself. Si vous voulez tout faire par vous-même. As a leader, comme leader, you have to know what are your strengths and what are your limits. Vous devez savoir quelles sont vos forces et quelles sont vos limites. Okay? Okay. Know your strengths, know your limits. Connaissez vos forces et vos limites. Now, but let's talk about the frère intercesseur et le pasteur intercesseur. Les frères intercesseurs. Parlons maintenant des frères qui sont intercesseurs à l'église. Oh, des pasteurs intercesseurs. Et les pasteurs intercesseurs. Ok. Oh, des pasteurs full temps. Oh, des pasteurs à plein temps. Alors, non, ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et quel autre prouve dans la Bible? Je ne peux pas les prouver dans la Bible. But this is what I know. Mais c'est que je sais. Because it's not in the Bible. Parce que ce n'est pas dans la Bible. No, it's not. Ce n'est pas dans la Bible. This is what I know. C'est que je sais. If that pastor, si ce pasteur, does not know how to fund the mean, ne sait pas comment trouver de l'argent, he can pray as much as he wants to. Il peut prouver, il peut prier toute la nuit comme il veut. Chasser tous les démons. Les démons quittent. Le lui dort en famille. You understand? Vous comprenez? You know ce qui est ironique? Vous savez ce qui est ironique? Pasteur chasse les démons. Il prie pour les food. Il prie pour la nourriture. But the food doesn't come. Mais la nourriture ne vient pas. Les démons l'ont obéi. Mais la nourriture n'a pas. You know why? Vous savez pourquoi? Because God works only with principles. Parce que Dieu ne travaille que sur des principes. You know what is the principle? Vous savez quel est le principe? If you don't work, si tu ne travailles pas, you cannot eat. Tu ne peux pas manger. Yes. You understand the principle? Vous comprenez le principe? Those are part of the principle. Ça fait partie. So knows your limits. Maintenant, connaissez vos limites. Knows your strength. Connaissez vos forces. Number three. Troisièmement. Establish healthy relationship. Établissez une saine relation. I'm going slowly to touch the devil. Okay, je vais petit à petit toucher les défis. This one I'm giving you the key for success. Ça, je vous donne les clés du succès. Establish healthy relationship. Établissez des saines relations, des relations riches. In life. Dans la vie, there are only two kinds of people. Il y a seulement deux types de gens. In life, dans la vie, in every relationship, dans toute relation, there are only two kinds of people. Il y a seulement deux types de gens. People who bring deposits, ces gens qui apportent le positif, the deposit, dépôt, okay, le dépôt, and the people who they come to withdraw, ceux qui viennent pour prendre. La vie, en français, c'est comme une transaction bancaire. La vie. La vie est une transaction bancaire. Il n'y a que deux sortes de gens. Ceux qui donnent et ceux qui prennent. The problem is this. Le problème est celui-ci. Si tu es entouré plus avec les gens qui prennent, tu ne deviendras jamais riche. Ok? If you are surrounded only with the people who they take, si vous êtes entouré des gens seulement qui viennent vous prendre, you have 10 people in your life. Vous avez 10 personnes dans votre vie. 7 of them take. 7 d'entre eux prennent. Only 3 give. Seulement 3 vous donnent. You have a problem. Vous avez un problème. Sometimes it's family. Je sais, parfois c'est la famille. I know sometimes it's the complex of the reality. Parfois c'est la complexité de la réalité que nous vivons.
Establish your relationship. Établissez vos relations. I pray for you today. Je prie pour vous aujourd'hui. You will ask God. Vous demanderez à Dieu to give you good relationship. De vous donner de bonnes relations. Let me say this. Laissez-moi dire ceci. The people in your life. Les gens dans votre vie. Will determine how far you will go. Vont déterminer comment loin vous irez. You see in your phone. Vous voyez dans votre téléphone. Say the people who have an iPhone. Les gens qui ont iPhone. iPhone has a way. iPhone a un moyen. Even WhatsApp. Même WhatsApp. Has a way. À sa manière. To show you. De vous montrer. The people who you talk the most. Les gens avec qui vous parlez le plus. It will tell you. Ils vous diront. This person here. Cette personne ici. You spoke 2,000 conversations. Vous avez 200 communications avec. 2,000. 2000, voilà. This person here, celui-ci, 1800. This person here, 500. 500. This person here, 300. Psychologists say. Les psychologistes disent. The 7 people you talk to the most. Les 7 personnes à qui vous parlez souvent. Determine the circle of your success. Ils vont déterminer le cercle de votre succès. Look at your phone. Control the 7 people you talk to them. Et regardez dans votre téléphone. Think about the content, the stuff you talk. Ok, regardez dans votre téléphone les 5 personnes avec qui vous parlez le plus et regardez la qualité de la conversation que vous avez avec eux. It's going to give you the answer. Ça va vous donner la réponse. If you will be poor, si vous serez pauvre, or you will be rich. Ou vous serez riche. Ah, because if you talk, what did you do? I said, all this day, qu'est-ce que vous avez mangé? Surtout au Congo, comme il y a le phénomène des femmes d'Instagram qui ont 10 000 followers en Instagram, mais pas $100 dans les comptes bancaires. Donc, you know, 15 000 followers on Instagram, but, même pas 100 francs. So, you know, the problem becomes. Le problème devient. Et ce n'est pas les followers que tu as sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas les followers que vous avez sur les réseaux sociaux. The people you talk all the time. Les gens avec qui vous parlez tout le temps. 7 of them. 7 d'entre eux. Si c'est number one. Si c'est le numéro 1. It's poor. C'est un pauvre. You have a problem. Vous avez un problème. Number two. Le numéro 2. Il est encore chez papa. You have a problem. Vous avez un problème. Number three. Le troisième. C'est moi qui l'ai envoyé sans foyer. You have a problem. Number four. Quatrième. Il est venu prendre l'argent chez moi. Mm-hmm. Number five. You have a problem. If those 7 people. Si c'est 7 personnes. I'm talking about serious. Je parle. Quand je fais mes réunions aux États-Unis, it's crazy. Les gens payent $1,500 d'entrée dans mes réunions. Par personne. It gets crazy. Ça, c'est fou. I'm very serious, though. Je suis très sérieux. The people you talk to. Les gens à qui vous the parlez. The 7 people you talk to the most. Les 5 personnes à qui vous parlez le plus. Are the people who determine the level of your success. Ce sont les gens qui vont déterminer le niveau de votre succès. If you talk to the people who are sick. Si vous parlez aux gens qui sont malades, qui sont problématiques, the people who have a problem with everybody, les gens qui ont des problèmes avec tout le monde, you will have a problem. Vous aurez un problème. What am I trying to say to you? Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Vous savez, parce que on est au Congo. Et je m'excuse to be very blank. D'être vraiment franc. Because I'm a man of a church. Parce que je suis un homme d'église. Parce qu'on est dans un pays où tout le monde prie. We have a problem. Nous avons un problème. We replace la prière avec nos responsabilités. Nous avons remplacé la prière à nos responsabilités. Non, 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 non. I refuse. Je refuse d'avoir des frères pauvres. Mm. Yes. No, 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 no. I refuse to have the sœurs pauvres. D'avoir les sœurs pauvres. No, we refuse that. Nous refusons ça. We refuse that mentality. Nous refusons cette mentalité. We refuse that spirit. Nous refusons cet esprit. We refuse that. Nous refusons cela. So, establish good relationship around you. Maintenant, établissez des bonnes relations tout autour de vous. If you don't have a good relationship, si vous n'avez pas de bonnes relations, you have to create them. Vous devez le créer.
I repeat. Je répète. Establish. Établissez. Good relations. Les bonnes relations. Very important. C'est très important. I'm going to stop here. Je vais m'arrêter ici. And I'm going to take questions. Et je vais prendre les questions. Then we will continue. Et après, one more continue. Questions. Des questions. Moi, je travaillais pour lui dans mon temps, parce que j'ai un shop de recherche de service d'aide à mon fils. J'ai un projet. Est-ce que pourrais-je mettre ça dans mon fils, travailler chez moi, et comment faire pour partager la rémunération avec lui, qui a le financement et moi qui a le projet. Il a accepté mon projet, il a accepté de travailler avec moi. Alors, comment faire pour les partager sur le temps si c'est bon? I don't know what to say. C'est dans le secteur de sécurité électronique, l'intégration des systèmes. Comment faire? Toi, tu es très intelligent. Merci. Comment faire pour renverser la norme? Parce que dans ce secteur, il y a plus les Libanais, les Turcs, les Indiens. Comment faire pour renverser les systèmes pour que nous, Congolais, puissions arriver au même rang que nous? Vu que les moyens, on ne les a pas assez. The reason why I had a Christian is a smart man. C'est un homme intelligent. And because you will be able, tu as compris sa question, non? Hein? Tu vas essayer de répondre à cette question. But me, I will tell you this. Moi, je te dis ceci. Tu vois cette bataille? C'est plus fort que toi. I just want to be honest. Je veux juste être honnête. Hein? Là où il y a les Indiens. Il y a qui encore? Les Libanais, les Turcs. Et les Turcs. Et ils prospèrent dans un pays. Parce que dans leur pays, ils sont pauvres. C'est ce que vous ne savez pas. Hein? Dans leur pays, les gens sont pauvres. Ils sont vraiment pauvres. Les Libanais qui vous impressionnent ici, dans leur pays là, dans leur pays, ils ne sont pas ceux qui sont ici. They get the money here, they go back there, ils deviennent riches. Ils prennent la vie ici pour devenir riches chez eux. Je suis désolé de te dire que là où est il prospère là, dans le monde, le système de ces pays-là est rempli de deux choses, corruption et la malhonnêteté. Je suis désolé de te le dire. Because, l'endroit où il y a un moins de corruption, d'être en Amérique, il ne veut pas venir faire le travail au Congo. Ils exigent que vous changez le gouvernement, que vous changez ceci. Mais les Indiens, ils s'en foutent. Les Libanais, ils s'en foutent. Because nous, la corruption te suit, hein. C'est vrai. My tax. Mes taxes. J'ai aujourd'hui là, si tu as besoin, ma tax de jusqu'à 7 ans. Et jusqu'à 7 ans passé. Je, tout ça, c'est dans mon garage, hein, chez moi à la maison. Les récits de pain, les récits de sucre, les récits de histoires. Et ma garage, pour 7 years. 7 ans, j'ai gardé toutes ces affaires. Parce que le gouvernement peut s'élever, hein? Surtout quand tu as une entreprise, il s'élever et dit, donne-nous les rapports et les preuves de tout cet argent que tu as fait. Dès qu'elle combat, on a 7 ans. Ils peuvent rentrer jusqu'à 7 ans. Bon, le sait, hein? On a payé la salle ici. J'ai exigé les reçus, j'ai exigé everything. People, they don't understand. It's because you have to keep the record. C'est parce que vous devez garder les factures. So, la bataille là, jusqu'à ce que le gouvernement va commencer à changer les règles, ça sera difficile de ton côté. Tu as compris ce que j'ai dit, hein? Ça sera très difficile. Je vais laisser plus Maître Christian d'en parler, mais ça sera très difficile. Alors, we keep like that because on évite la corruption. Nous continuons à être comme ça parce que nous évitons la corruption. Because government can arise, it commence à te faire l'audit. You know, when American government is behind you, quand le gouvernement américain est après vous, ils ne vont pas te laisser. Oh non, ils ne vont pas te laisser. 15 minutes de petit break, il y a quelque chose à... Comment on dit ça en français? Il y a ce qu'il a dit là. So, we will do that almost at 12:15. Et puis, on va prendre le dernier lan, on va parler jusqu'à 12h45. Surtout parce que tu es venu en retard. OK?
disciplinons-nous, s'il vous plaît. Écoutons Maître Christian Bossembe. Vous connaissez Maître Christian Bossembe, hein? Hein? Vous le connaissez, hein? Yeah. Il n'est pas seulement mon disciple, mais il est mon ami aussi. Alors, Maître Christian, come on. Thank you. Alors, j'ai essayé d'être le plus simple possible parce que ça a toujours été difficile de parler un peu dans la génie. Vous voyez que je suis vraiment fait comme ça. Mais je vais oublier, faire comme si je voulais dans la vie parce que je me mettais dans une mauvaise posture. Mais avant, je l'arrivais, il m'a demandé des réponses à la bonne question. Mon cher frère, le docteur a tout dit. Moi, je l'appelle maître parce que pour moi, c'est un guide, effectivement. Il faudrait qu'on se dise au moins une vérité. La vérité, c'est que nous sommes dans un pays de hommes à nombre. En fait, on est comme dans un parc animalier où le lion peut manger la girafe quand il veut et s'il veut. Nous avons construit une société de faussaires et de fossoyeurs. Le comble dans notre pays, c'est que nous avons inversé les rôles et les valeurs. En principe, ce qui devrait faire honte, ça ne fait pas honte aux gens. On se complaît dans la bêtise. Mais comme on est une société des accusateurs et des plaintifs, nous voulons que le changement commence, mais pas par nous. En fait, le changement doit commencer ailleurs, pas avec nous. Dans nos familles, nous avons tous des voleurs, des tricheurs, des maraudeurs, des renégats, des délateurs. On les a tous dans nos familles. Mais nous voulons que l'État commence par arrêter les autres voleurs, les autres familles, pas d'abord chez nous. Quand c'est chez nous, c'est l'acharnement. Quand c'est les autres, c'est l'État de droit. Nous avons fait ce choix-là, malheureusement. Nous avons célébré la tricherie, nous avons célébré la bêtise et nous payons le prix de la bêtise. Nous nous sommes entendus avec le mal. À l'université, nous avons changé la corruption en branchement. Le professeur qui n'accepte pas la corruption, on dit qu'il a faux vieux à solarité. Vieux à moulaï, sous karaté. Celui qui corrompt et qui se fait corrompre, on a un vrai vieux. Vieux à solo, vieux à pétinaï. Nous sommes le seul pays au monde où on appelle un professeur par son nom. Il y a Jean, il y a Pierre, il y a Rigobert, ainsi de suite. Nous avons choisi ça. En fait, nous, on n'est pas maudits. Dieu du Congo n'est pas un faible Dieu. Et Satan des États-Unis n'est pas un Satan très faible, non. Nous avons le même Satan au Congo, le même Satan aux États-Unis. Seulement, nous, on est désorganisés. Nous sommes un peuple qui tue ses propres leaders. C'est le peuple congolais. Alors, dans ces conditions, mon frère, on ne peut pas changer si nous ne décidons pas nous-mêmes de corriger ce qui est en nous. En fait, j'entends les gens dire le Congo va être émergent. Mais attendez, c'est une farce. Et on sait que c'est une farce. Le Congo ne peut pas changer sans l'homme congolais. Parce que le véritable problème de ce pays, ce n'est pas la colonisation. La Bible dit mon peuple périt parce qu'il ne connaît pas. La Bible ne dit pas que mon peuple périt parce que Satan est là. La Bible ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il y a des maladies. Mon peuple périt parce qu'il ne connaît pas. Parce que nous avons refusé la connaissance. Donc ce n'est pas parce que nous avons été colonisés par les Belges ou ce n'est pas parce que le Rwanda nous menace que nous sommes faibles. Nous sommes faibles parce que nous avons la culture de faible. Je vous donnerai un pays avant de commencer mon exposé. Je prends la Corée. À un moment donné, la Corée, c'était un pays de, on disait des lapins. C'était un petit pays. C'est considéré comme des lapins. Et vous savez, les lapins, dans la chaîne alimentaire, le lapin est tout dernier. Parce qu'il est bouffé par n'importe quoi. Mais les pères fondateurs de la Corée, un jour, ils se sont réveillés, ils ont dit, mais pourquoi sommes-nous des lapins? Changeons. Ne soyons plus des lapins. Appelons-nous qu'on est des tigres. Et aujourd'hui, c'est des tigres. Ils se sont promis que tous les foyers du monde aient au moins une marque coréenne. Et dans la salle, nous sommes témoins. Si vous n'avez pas Samsung, vous avez certainement un truc genre Hyundai ou un truc genre. Vous avez. Et tout le pays du monde consomme la Corée. Elle est aujourd'hui parmi les grands pays producteurs de pétrole et ainsi de suite. Mais ils n'ont pas de pétrole chez eux, ils n'ont pas de cacao chez eux. Hollande n'a pas de cacao, mais ils produisent des couches de chocolat. Le problème, c'est dans la tête. Tant que ça ne changera pas ici, ça ne changera pas là-bas. Nous croisons les bras, nous voulons que les autres fassent des choses pour nous. Les Libanais viennent chez nous, ils volent. Ils font ce qu'ils veulent, ils trichent, ils corrompent, ils font ce qu'ils veulent en tout cas.
Mais quand ils rentrent chez eux, ils investissent. Au bout de 10 ans, ils deviennent beaucoup plus forts, beaucoup plus riches, au point qu'ils peuvent même décider, ils peuvent même décider sur vos politiques, en fait. C'est ce qui est malheureux. Mais je crois que dans ma situation, ce que nous devons faire, c'est changer notre manière de faire les choses. C'est décider que nous ne soyons plus des hommes qui subissent, mais qui transforment les choses, qui changent les choses. Tant que nous n'allons pas changer notre manière, rien ne marchera. Voilà un peu ce que je voulais dire. Alors, aujourd'hui, moi, je voudrais qu'on discute avec vous sur une question importante, c'est le pouvoir de la pensée. En venant, j'ai entendu le maître parler de Tyler Perry. J'affirme que Tyler Perry, c'est mon master. C'est une grande star pour moi. C'est l'un des meilleurs acteurs américains. Il écrit, il pense, il réfléchit. Sans cause, c'est quelqu'un de très important. Mais il y a un problème. Le problème, c'est comment vous vous voyez. En fait, la vie, c'est comme un marché. Vous vendez moins cher, on vous achète moins cher. C'est vous qui mettez le prix sur votre vie. C'est vous. N'attendez pas que l'État vienne vous dire, bon, vous allez coûter autant. Non. C'est vous qui fixez le prix. C'est vous qui fixez le prix. Et c'est vous qui vous battez pour revendiquer ce prix-là. Mais la vie est composée de deux grands courants, à mon avis. Deux grands courants. Nous avons ceux qui subissent la vie et ceux qui vivent la vie. Ceux qui posent des actes. Mes frères, que Satan soit là ou Dieu soit là, la vie c'est comme ça. La vie c'est pas un rêve, on vit. Donc, soit vous subissez, soit c'est vous qui agissez. Alors, si vous ne voulez pas subir, vous devez agir. Et si vous ne voulez pas agir, vous allez subir. Alors, la question, que faites-vous pour changer les choses? Parce qu'en réalité, tout ne dépend pas de comment vous êtes né. Le jour où vous dites, je suis né dans une mauvaise famille, la nature te donnera des exemples des gens qui sont venus dans des familles beaucoup plus basses que vous, mais qui discutent au haut sommet et qui influent dans l'humanité, sur l'humanité. Donc, tout ne dépend pas de vos origines, ça ne vient pas de là. Dieu est juste, il nous a tous créés nus, au moins nous venons nus. Nous commençons comme ça. Tous, nous commençons comme ça. Même le prince ne naît pas avec des cuillères d'or dans la bouche. Mais le problème, c'est le mouvement que nous faisons sur la terre. Qu'est-ce que nous devenons demain? Qu'est-ce que tu veux devenir demain? Tout sera fait selon votre foi, ça ne marchera pas. Mais quand vous pensez que ça va marcher parce que c'est vous et que vous ne pouvez pas échouer parce que vous n'êtes pas eux, en réalité, la bonne nouvelle, c'est que depuis que l'humanité est humanité, vous êtes la première personne qui existe. Au moins, vous devez le savoir. Personne n'a vécu avec vos poumons, personne n'a utilisé vos reins avant. Vous êtes quelque chose de particulier, vous êtes né comme ça. Alors, tout ce qui va venir dans le monde, ça dépend de vous. Regardez comment nous naissons. Qu'est-ce que nos mamans font? On coupe le cordon ombilical. Du moment où on a coupé le cordon ombilical, on a laissé notre responsabilité agir. Nous commençons à faire le choix et nous commençons à décider. Donc, si vous ne faites pas le choix de votre vie, vous avez fait le choix de ne pas faire le choix. Mais vous subissez maintenant la vie. Donc, quand vous rêvez votre vie, vous devez exclure les contraintes et les contextes de votre pays. J'ai toujours trouvé ça injuste, prof. Les gens prennent des excuses comme quoi le Congo est déstructuré, ce n'est pas un pays, on ne nous aide pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, croyez-moi sur parole, ce n'est pas une bonne excuse. Dans ce pays, Congo, il y a des gens qui gagnent leur vie sans voler, sans tricher. Donc là où vous pleurez, là, il y a d'autres qui ont estimé qu'ils ne pouvaient pas pleurer, ils pouvaient travailler. Je vous donnerai mon témoignage après. Ce n'est pas le plus important. Mais d'abord, commencez à comprendre que rien ne vous freine, même pas Satan. Ce sont malheureusement les églises qui ont déifié le diable et satanisé Dieu, malheureusement. On vous a tout interdit. Satan déteste, Satan déteste, Satan déteste. Mais finalement, vous avez l'impression que vous devez continuer à craindre Satan. Parce que si vous ne faites pas, vous tombez, si vous ne faites. Et vous êtes mis dans des conditions au moins pour s'en sortir et ça. On vous a tellement parlé du diable qu'on ne vous a pas parlé de Dieu. Et du coup, vous passez des cultes, au moins là, par exemple, 4 heures et un culte, mais vous passez 6 heures, ou pardon, 3 heures, vous ne parlez que de Satan. Bokangi est lundi, à demi mardi, Bokangi est mardi, à demi mercredi. À un moment donné, on se pose la question, Bokangi est à Singanengini, ou à Bimal à tout moment. On détruit l'hôtel, on détruit. Entre temps, en réalité, les hôtels que vous détruisez, c'est peut-être vos projets que vous détruisez sans le savoir. Il y a des combats inutiles.
Qu'est-ce que le démon du chômage vous a fait? Travailler, le démon du chômage ne vient pas. Le travail, c'est la solution à vos problèmes. On a la pauvreté. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec toi? Le problème, c'est toi-même, tu es le frein de toi-même. Parce que l'homme, c'est la qualité du message qu'il a. Si tu as une mauvaise qualité du message, tes actions seront mauvaises. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si ton esprit est corrompu par le mauvais message que tu as entendu, tu poseras des actes toujours mauvais. On vous a dit à l'église, vous serez la tête et non la queue. Et vous avez cru qu'être la tête, c'est être hors la loi, c'est être au sommet, écraser les autres. Pourtant, la même Bible vous demande d'être serviteur des autres. Mon frère, tu te réveilles le matin. En quoi est-ce que l'humanité profite de ton existence sur terre? Parce qu'il faut qu'on se pose parfois des questions. Aujourd'hui, si Dieu veut supprimer ta vie, tu lui diras que tu fais quoi? Parce que si Dieu pouvait retirer la vie de Moïse, Moïse pouvait dire, Seigneur, je suis en train de libérer les enfants d'Israël. Aujourd'hui, si Dieu veut retirer la vie d'un charpentier, le charpentier dira, Seigneur, je suis en train de construire des choses. Mais maintenant, si Dieu veut retirer ta vie, ton souffle, tu lui diras quoi? Tu fais quoi? Et l'amour l'a dit, Isaïe Batou, cordonnier, nous doit s'aligner. D'ailleurs, on va s'aligner. Sabat, cordonnier, nous doit s'aligner. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Nous avons tous 24 heures. Tes 24 heures passent par quoi? Parce que dans la vie, vous avez soit les futilités, soit les priorités. Et si vous donnez votre temps à des futilités, le produit sera futile. Vous aurez le sentiment de n'avoir rien fait. Vous aurez tous les adages pour justifier que vous n'êtes en train de ne rien faire. En réalité, est-ce que vous voyez Satan dedans ou Dieu dans ça? C'est vous-même et votre conception. Si vous êtes petit, vous le serez. Alors, en réalité, quand vous voulez rêver votre vie sans tenir compte des circonstances de votre pays. Parce que moi, je me dis une chose. Je pense être un grand architecte. Je n'ai pas besoin de savoir ce que l'État veut pour l'architecture. Tout ce que je veux, c'est que je sais que les gens habiteront dans des maisons. Voyez-vous, que ce soit des voleurs ou des... Ce n'est pas notre problème. Et vous, dans vos églises, malheureusement, dans nos églises, on nous apprend des choses qui ne nous aident pas. On te dit franc-maçon. Donc, quand tu es architecte, quand tu es devant un client, tu demandes d'abord, vous êtes chrétien ou pas? Qu'est-ce que tu as à voir avec sa chrétienté ou sa formation de vie? Tu n'en as pas besoin. Tu es architecte, construis une maison, arrête-toi là. Celui qui vient à vivre là, où est ton problème? Qui est ce chrétien avant de prendre un taxi pose la question, monsieur, le chauffeur, montrez-moi votre carte de baptême. On n'en a pas besoin. On entre dans le taxi, on s'en va. Qu'il soit franc-maçon, sorcier, où est ton problème? Quand il est devenu sorcier, Dieu avait vu. Si Dieu ne l'a pas supprimé, pourquoi toi tu veux le supprimer? Laisse-le vivre, toi vis ta vie. La vie est courte, mes frères. Il y a un milliardaire qui est tombé il n'y a pas deux jours, c'est Picard Nicolo. Mais quand on est en train de plus attristé. Un millionnaire est parti. La vie est courte. Alors si vous passez votre temps dans les futilités, parler des autres, accuser des autres, c'est compliqué. Commencez par déconstruire la mentalité que vous avez. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles nous n'évoluons pas, c'est parce que nous qui sommes chrétiens, nous accusons beaucoup les autres. Nous voulons l'excellence, mais nous attaquons la culture de l'excellence. Chez les chrétiens, 90% des chrétiens, ils pensent que pour devenir président, ils vont être francs-maçons. Alors pourquoi vous allez l'église prier, demander à Dieu de faire devenir des gens, si ceux qui sont là, vous pensez qu'ils sont francs-maçons? Nous attaquons tout le monde. Vous êtes à l'université. Ceux qui distinguent sont des francs-maçons. Mais à la fin, votre Dieu sert à quoi? Est-ce que vous imaginez un peu le scandale? Et c'est ça qui se passe généralement. Les directeurs d'entreprise, francs-maçons. Les ministres, francs-maçons. Président, francs-maçons. Vous avez conféré tellement d'énergie à la franc-maçonnerie et vous avez tellement diminué votre Dieu. Parfois, quand vous demandez à Dieu de vous élever, le Dieu lui-même a peur. Il dit, mais bon, si je t'élève, tu risques de croire que c'est la franc-maçonnerie. Les gens n'ont plus confiance en eux. Et vous ne pouvez pas changer si vous n'avez pas confiance en vous. Le premier crédit qui puisse exister, c'est la foi que tu as en toi-même. Dieu ne peut pas accompagner quelqu'un qui ne croit pas en lui-même. C'est pas possible. Si vous ne croyez pas en vous, vous ne pouvez pas croire en Dieu. Parce que, en fait, le problème, ne pas croire en vous est un blasphème. Vous insultez Dieu qui connaît en vous les capacités. Voyez-vous? Et c'est à vous de dire.
Vous êtes né orphelin. Ah non, mais je suis orphelin. Papa n'a pas la griffe. Le problème, c'est si ton père n'a pas des griffes, c'est pour que toi, tu aies une griffe à laisser à tes enfants. C'est tout simplement. Mon père a souffert. Oui, ton père a souffert, c'est vrai. Mais toi, maintenant, que dis-tu? J'accepte qu'on m'accuse que mon père n'a pas d'argent. Mais ça ne va pas me faire du mal. Ce qui me va, ce qui me gênera, c'est le fait de dire que moi, je suis pauvre. Le plus important, je ne paye pas pour ce que mon père est. Je paye pour ce que je suis aujourd'hui. Alors, dépendez de vous-même, battez-vous. Tout commence par ici, dans la tête. Moi, je vous demande de laisser court à votre imagination. Ne regardez pas d'où vous venez, parce qu'en réalité, ça ne compte pas. L'origine, ça ne compte pas. Aujourd'hui, le docteur Chirac pourra vous dire, l'humanité compte parmi les milliardaires, ce sont les personnes de la première génération. Ce ne sont pas les héritiers qui sont aujourd'hui des milliardaires. C'est les personnes qui ont commencé comme vous et moi. Parce que le père de Bill Gates n'a pas l'argent de Bill Gates. Le père de Carlos Slim n'avait pas l'argent de Carlos Slim. Le problème, c'est vous-même. Que dites-vous de vous-même? Vous êtes un gagnant ou vous êtes un faiblard? Voici comment les gagnants fonctionnent. Les gagnants, ils sont responsables des actes qu'ils posent. Ils ne cherchent pas des personnes à accuser. Ils sont responsables. Ça ne marche pas, c'est bon. Ça marche, Dieu merci. Mais les faiblards sont ceux-là qui accusent continuellement les gens. C'est ma tante, c'est mon frère. Si ce n'est pas mon frère, c'est le pays. Bon, quand on l'a cherché, on n'a pas trouvé. C'est la Belgique. Mais en tout cas, si on n'a pas trouvé la Belgique, ça doit forcément être le Rwanda. Bon, si ce n'est vraiment pas le Rwanda, c'est Satan. Donc vous devez trouver quelqu'un qui porte la responsabilité de votre échec. Pourtant, la responsabilité de votre échec, c'est vous-même. Vous êtes pauvre, mais vous voulez dormir comme des riches. Vous voulez vous comporter comme des riches. Ce n'est pas possible. Nous sommes là, Mike, Yoboy. Et ils sont pas eux. Mais vous avez l'autre côté, ils sont plus déjà. En fait, moi, quand je suis arrivé à Kine, j'avais une question. Je me disais, bah, il vient à la Kine. Donc, c'était un avantage. Je peux tout faire dans les bangas à Zati. Parce que ce qui n'a humanité, je peux oser tout, n'a voté Kamaï, n'a voté Kamakala, je peux tout faire. Parce que après ce que c'est imité, on ne peut pas croire pas à Zati. Mais quand tu as un nom, tu commences à regarder son sanité. Maintenant, toi, tu n'as rien. Mais aux yeux orgueil, au Dieu du Bosso, on les a qui nous. En fait, la sorcellerie que vous chassez à l'église, c'est ce qui vous caractérise. Comme tu n'as rien, comporte-toi comme quelqu'un qui cherche. Et celui qui cherche n'a pas beaucoup d'exigences, il cherche. Il trouve un chemin, il se rassure et puis avance. Mais malheureusement, c'est compliqué pour nous tous. De toutes les façons, il faudrait qu'on change cette manière de faire les choses. Moi, je crois aussi à une chose importante, c'est le pouvoir de décider de ce que vous voulez devenir et d'arrêter de cesser de subir la vie. Il y a des concepts, très souvent les concepts qu'on utilise sont les concepts qu'on ignore le plus. Les gens, tout le monde veut devenir grand, mais les gens ne peuvent pas payer le prix de la grandeur. Et ils définissent mal la grandeur. La grandeur, ce n'est pas le spectacle, ce n'est pas le fanfaronisme. La grandeur, ce n'est pas ce que l'on voit. Très souvent, la grandeur, c'est ce qu'on ne peut pas voir. C'est ce qu'on sent. Le jour où j'ai rencontré le prof Chirandi, je me disais, mais vieux pour continuer de cigarette, c'est très bien. Parce que tu ne peux pas imaginer son poids et son niveau. Mais c'est quand tu rencontres son agenda. Quand, parce que l'homme se mesure aussi par la qualité de ses relations. Dis-moi qui tu fréquentes, je dirai qui tu es. Mais c'est quand tu te rends compte que oh, le gars n'est pas si petit que ça. Mais comment on peut être humble en étant si grand? Parce qu'ils ont compris le secret. Ceux qui parlent beaucoup, très souvent, n'ont rien. La force, le pouvoir, c'est entre les mains de ceux qui ne parlent pas beaucoup. Et la grandeur, elle est discrète. La grandeur ne parle pas, elle n'écrit pas. La grandeur, c'est constante. On n'a même pas besoin de vous dire que c'est ça la grandeur. La grandeur, c'est son. Généralement, les hommes les plus dépassés sont les hommes les plus forts. Parce que vous savez, les plus grandes émotions sont muettes. Et c'est à vous de décider de ce que vous voulez devenir. Où vous vous cachez? Où vous vous exposez? Mais très souvent, ceux qui s'exposent, s'effacent. Ceux qui se cachent, se révèlent. C'est à vous de faire le choix. La grandeur, ce n'est pas un souhait. La grandeur, c'est un résultat d'un travail fait. C'est un travail. C'est un travail. Merci, mon frère. C'est un travail. Il faut travailler au fond de soi. Il faut penser. Il faut planifier.
Mais malheureusement, chez nous, être grand, c'est avoir autant de femmes. Ça, je parle maintenant aux jeunes. Mais mes frères, je dois vous le dire, vous n'êtes pas grand parce que vous avez aligné un homme comportant des femmes. La capacité de l'homme ne se mesure pas par sa rapidité de descendre l'Égypte des femmes, mais c'est plutôt d'ouvrir le nombre des livres, les pages, faire des recherches sur lui. L'homme se mesure par la qualité de son cerveau, pas par autre chose. Vous commencez à devenir un homme par le nombre de problèmes que vous pouvez résoudre. Et le premier problème que vous devez résoudre, c'est la connaissance de vous-même. Est-ce que vous vous connaissez ou pas? Parce que si vous ne vous connaissez pas, on va vous faire n'importe quoi. Il y a beaucoup de femmes qui ont imposé des hommes à un niveau dans la beauté parce qu'il y a une minimalité. Si vous m'y évitez, vous pouvez bien entendre votre souffle. Vous ne pouvez pas s'arrêter la vie. Parce que l'avenir attend demain. Tu seras quelqu'un demain. Tu risques d'arrêter tout le monde vous avez bon boulot dans le passé parce que tu ne connaissais pas qui tu étais. Le problème, c'est que est-ce que tu as souvent un rendez-vous avec toi-même? Est-ce que tu prends le temps de t'évaluer? Ceux qui ont des véhicules savent que chaque mois ou chaque période, ton mémoire tout qu'on a, garage pour l'examiner. Est-ce que tu examines ce que tu es toi-même? Est-ce que les valeurs que tu avais en 2017, tu les as encore aujourd'hui? Est-ce que ce que tu te disais en 2017, aujourd'hui tu es arrivé ou tu n'as pas arrivé? Combien de personnes prennent le temps et se rencontrent avec eux-mêmes? Parce que moi, je suis chrétien, c'est vrai, mais moi je ne suis pas chrétien comme beaucoup de chrétiens. Moi je ne suis pas chrétien de la religion christianiste. Non, non, je suis chrétien d'état d'esprit. Ma façon à moi de voir les choses, c'est de vivre comme Christ. Savoir pardonner quand il ne faut pas. Savoir dire pardon quand il faut le dire. Comprendre les autres, ne pas juger les autres. Aimer les autres, ne pas voler, ne pas tricher. Rester constant, c'est ça en fait, pour moi être chrétien. Donc je ne passerai pas mon temps à chasser Satan. Parce que le véritable Satan, c'est celui qui est en moi, qui m'empêche de faire le bien. Donc mon temps n'est pas là pour parler du diable. Qu'est-ce que j'ai avec lui? Il n'a rien avec moi. Ce que moi j'ai à faire, c'est de construire ma vie, construire ma légende, m'évaluer moi-même. Christian, ce que tu étais en 2017, est-ce que tu l'es encore aujourd'hui? J'évalue. Et quand c'est difficile pour moi, je me fais aider. Être grand, ce n'est pas avoir des véhicules, ce n'est pas avoir de l'argent, ainsi de suite. Vous savez qu'il y a des gens qui sont tellement pauvres, ils n'ont que l'argent. Il y a des gens qui sont tellement pauvres, ils n'ont que l'argent. En fait, l'argent, c'est rien. Les grands esprits ne courent pas après l'argent, c'est l'inverse. Parce que l'argent suit les idées. Si vous avez les idées, l'argent vous suivra. J'ai des intérêts. Et mes intérêts ne sont pas des intérêts pécuniers, ce n'est pas des intérêts matériels. Parce qu'en réalité, vous ne devez pas être des esclaves du matériel. L'homme est esclave des idées. En réalité, le terme esclave n'est même pas celui-là. L'homme est le maître de ses idées. Et je ne peux avoir de relation qu'avec ceux qui partagent les mêmes convictions que moi, ou plus de convictions que moi. Je m'attache à des gens qui ont des idées, qui ont des pensées, qui ont une discipline. Je peux demander aux pauvres, comment vous avez fait pour devenir millionnaire? Une question, moi, ce que je fais ceci, je fais cela. Et nous partageons les expériences. Mais au Congo, malheureusement, nous ne partageons pas les expériences. Nous partageons les difficultés. Nous partageons des questions. On ne partage pas les solutions. Alors, mais à la fin de compte, on souffre. Parce que si moi, je vais te parler des problèmes, tu parles des problèmes, qui résout le problème de l'autre? On ne résout pas les problèmes. Ça fait de nous des gens frustrés et pas frustrés. Nous ne frappons pas souvent aux bonnes portes. Regardez vos relations. J'ai rencontré quelqu'un qui... Merci. Merci. Vous avez des gens, par exemple, qui ont un répertoire de 500 personnes. Mais il a un problème pour 50 dollars. Personne ne lui donne de 50 dollars dans les 500 personnes. Mes frères, supprimer ces relations-là, ce n'est pas important. On est dans la vie, on est pour s'entraider. La vie, c'est pour s'entraider. Le jour où je n'ai pas moyen, tu as le moyen, tu m'aides. Mais attendez, moi j'ai des difficultés. Mais j'ai 500 personnes dans mon répertoire. Et personne n'est en mesure de me donner la solution à mes problèmes. Non, c'est moi le problème. I am the problem. C'est moi le problème. Pas Satan, pas Dieu, moi le problème. La qualité d'un leader, c'est aussi faire le choix des collaborateurs, le choix des amis, le choix des partenaires. Vous choisissez la mauvaise femme, vous vivez l'enfer sur terre, ou vous devenez philosophe, éthique. Vous choisissez de mauvais amis, votre vie est pourrie, et vous devenez un problème, le dit Karl Marx. Vous faites un mauvais choix du travail, vous devenez
pleurnichard, plaintif, voleur. Et c'est Napoléon Hill, je crois, qu'il est dit. Donc, en réalité, tout dépend de ce que vous dites vous-même. Vous êtes vous-même. Votre vie, c'est comme un bus. N'importe qui ne peut pas entrer. Il faut qu'ils présentent un ticket. Ou soit qu'ils soient exonérés par l'État. Ils entrent dans votre vie. Votre vie, vous, quelqu'un doit mériter votre vie. Okay. Il doit mériter une partie de votre vie. Okay. Vous n'êtes pas une gratuité pour offrir de la gratuité aux gens. Okay. Cette vie bouffe les gratuits. Okay. La nature va vous bouffer si vous n'avez pas une valeur ajoutée. Et même Dieu ne pourra pas prendre votre place, non. Dieu dira, j'ai déjà envoyé mon fils unique, il est mort pour vous, c'est tout dit. C'est beaucoup fait déjà. Le reste, c'est vous-même. Comment voulez-vous finir votre vie? Vous voulez faire partir des quoi? De l'équation, disons, des statistiques. Quand on parle de 10 millions d'habitants, c'est vrai que nous sommes dans 10 millions d'habitants. Mais qu'est-ce qui justifie votre particularité? Quelle est votre particularité? Et ça ne dépend pas de votre famille. La preuve, vous êtes ici sans vos familles. Vous êtes ici vous-même. La grandeur a un prix. Le prix de la grandeur, c'est aussi l'investissement. Le plus bel investissement qui puisse exister, c'est la connaissance. C'est la formation. Mais combien de livres avez-vous lu? Je posais la question à quelqu'un, il m'a dit, la Bible. J'ai dit, bravo. Continue comme ça. Ça va t'aider un jour. Le problème, c'est que la Bible n'est pas le dernier document qu'on puisse lire. Il faut tout lire dans la vie. Vous devez apprendre. Aujourd'hui, quand on vous fait lire les choses, c'est les sciences occultes. Les sciences occultes. Mais lisez quand même. Mais lisez, vous n'êtes pas. C'est pas possible. J'ai rencontré une femme de ma vie. Elle m'a parlé de Machiavel du début jusqu'à la fin. Yes. Sincèrement. Si je n'étais pas marié, j'allais dire, madame, est-ce qu'on ne peut pas comprendre ça autrement? Je n'ai pas lu ce que vous pensez. Le problème, c'est ça, en fait. Donc tu t'intéresses à ça, il me dit oui, Christian. Les femmes, nous au Congo, vous devez savoir une chose. Les hommes ont commencé avec des actifs, les femmes avec des passifs. Les femmes doivent faire deux fois ce que nous faisons une fois. Notre système a détruit la femme. Notre système a orienté la femme au mariage. Elle n'a pas orienté au travail. On lui a dit moi si des balles. On a préparé les femmes à la beauté. On a préparé les femmes aux cosmétiques. On ne les a pas préparées au travail. Voilà pourquoi 90% des femmes congolaises pensent que recevoir l'argent d'un homme, c'est normal. Oh oh. Elles pensent que c'est normal. Vous dites qu'elles sont matérialistes. Non, elles ne sont pas matérialistes. Elles sont formées comme ça. Formatées comme ça. Sors avec ta copine dans une alimentation. Manger. Elles vont manger sans problème, sans gêne. Elles vont commander sans demander ta poche. Mais puis après, quand la facture vient, elle ne peut même pas regarder le facturier. C'est toi qu'elle regarde parce qu'elle sait que tu vas résoudre le problème. Et quand tu lui dis, tous les désirs de la femme seront tournés. Les frères, tant qu'on ne changera pas ça, croyez-moi sur parole, ça ne changera pas. C'est à nous, c'est une décision collective. Nous devons travailler nos femmes, nos jeunes filles. Apprendre à nos jeunes filles que la beauté, la femme, ce n'est pas que la beauté. Yes. Et encore que la véritable beauté, c'est la qualité du cerveau. Les femmes doivent être en mesure de régler leurs propres problèmes d'abord. Mes sœurs, le jour où vous avez la solution d'acheter votre propre téléphone, vos propres vêtements, vous allez voir vous-même que la qualité des hommes qui viennent vers vous a changé. Pas tout le monde viendra. Il y a des hommes qui viennent vers vous parce qu'ils ont des petits moyens. Et ils pensent qu'ils peuvent vous acheter. Mais quand un homme vient dans ta vie, tout ce que tu as, des beaux téléphones, tu as des beaux habits, tu as un travail, cet homme lui-même, avant de t'aborder, il recule. Il sait que, parce qu'il y a des bourses. Alors, donnez-vous du poids. Le femme, ce n'est pas que... c'est pas le corps. Parce que le corps, ça fane. Mais il y a une chose qui ne fane pas, c'est le cerveau. Ça ne fane pas. Et la nuit où nous évoluons demain, les femmes ne seront plus épousées en fonction de leur corps, non plus de leur beauté, mais c'est de leur capacité de répondre aux questions. Leur contribution intellectuelle, morale, matérielle dans un couple. Ne soyez pas des charges pour les hommes. Soyez pas des charges, soyez des solutions. Et vous aussi ne devenez pas des distributrices d'argent pour les hommes. N'achetez pas de l'amour. Celui qui vous mérite reste, celui qui ne vous mérite pas, qui parte. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup d'hommes sur terre. Amen. Si vous êtes en face d'un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, laissez-le partir.
Parce que le charpentier, vous savez, le boulanger ne connaît pas la valeur du diamant. Ce n'est qu'un boulanger. Il connaît la valeur du pain. Alors si vous êtes un diamant, ne pleurez pas parce qu'un boulanger vous a laissé tomber. Ce n'est qu'un boulanger. Il faudra respecter la farine et le pain parce que c'est lui là-bas. Ou alors, vendez-vous, devenez un pain, il vous respectera. La qualité, c'est ça aussi. Alors, je voudrais vous dire simplement d'examiner, examiner aussi votre vie. En réalité, nous jeunes, nous devons examiner ce qu'il nous a dit. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Yes. Le prof m'a toujours dit, votre vie est tributaire de là où votre focus, hein, c'est ça, yes, votre focus se trouve. En fait, vous êtes ce qui vous attire. Yes. Et ça, ça se passe très souvent dans votre subconscient. Nino lingala mingi, ndeko komito komito ngisete, kota na téléphone na yo, tala na téléphone na yo. Tala ba application ozana ngo. Si 80% des applications sont des applications de divertissement, vous avez la réponse de la situation de votre vie aujourd'hui. Ne vous en faites pas, c'est pas Satan, c'est pas Dieu. C'est vous. Si dans ton téléphone il y a que WhatsApp, Viber et les réseaux sociaux. Si tu passes tout ton temps dans WhatsApp, dans les réseaux sociaux, et tu ne passes pas ton temps dans Wikipédia, dans Google, tu ne passes pas ton temps là-bas pour faire des recherches, mais tu passes ton temps pour faire la blague et la drague, rassure-toi que ta vie sera toujours comme ça. Tu seras là en train de contempler les autres. Tout en gagné, hein. Tout en gagné. Avant dans la quartier de Bissou, je n'en ai pas. On a gagné à Bandaka. Hier, à Laka, tu vas tout dire. Et enfin, le monde n'est pas de ceux qui parlent. Le monde a un focus sur ceux qui travaillent. La preuve, vous êtes au parce que vous avez pris votre temps et vous l'avez mis dans la bêtise. Vous savez l'explication de la pauvreté? La définition de la pauvreté. La pauvreté, sa définition, c'est le manque de productivité. Yes. C'est ça que ça veut dire la pauvreté. C'est un état d'esprit en réalité. Ce n'est pas une malédiction la pauvreté. Nelson Mandela dans son livre Conversation avec moi-même, Nelson Mandela dit la pauvreté, nous l'avons inventée. La pauvreté est un système de pensée. Le pauvre ne respecte pas les temps, ils ne connaissent pas l'investissement, ils ignorent la connaissance, ils n'ont pas les disciplines. C'est tout. Ils savent rien, ils vivent au taux du jour. Et leur réponse est la seule. Dieu seul sait. Mon frère, Dieu seul savait quand Adam tombait. Dieu savait quand Moïse mourait. Dieu savait quand Abraham mourait. Dieu savait depuis longtemps. Et Dieu saura quand tu verras rien, il saura. Ça ne va pas changer Dieu. Tout dépend de ce que vous dites à vous-même. Alors, si vous voulez savoir la futilité et la priorité, comme je l'ai dit tantôt, c'est simple. La futilité, C'est tout ce qui ne vous avance pas. C'est ça ce qui est futile. Futile, ça veut dire ça ne vous avance pas. Ça ne vous amène à rien. Ça peut être une relation, ça peut être une habitude. Tout ce qui ne vous apporte rien, évaluez et dites bye-bye à ces choses-là. Dans la vie, il faut savoir accepter les départs de certaines choses. Il faut savoir rompre certaines habitudes. Surtout les habitudes improductives. Même la Bible déclare que lorsque l'arbre ne porte pas de fruits, il faut le couper. Et la Bible est très sévère, pas seulement couper, mettre au feu. Alors, est-ce que vous êtes des arbres qui produisent ou vous êtes des arbres qui bouffent l'oxygène inutilement? Alors, donc, la futilité, c'est un peu ça. Vous avez certainement un sentiment que ça ne marche pas, vous êtes en train de souffrir, Dieu vous a abandonné, vous pleurez, hein? Dieu vous a abandonné et tout. Mais en réalité, laissez-moi vous dire, peut-être que Dieu m'a envoyé, je ne sais pas. Peut-être que Dieu m'a envoyé vous dire qu'il n'est pas dans vos problèmes. Ce n'est pas lui le problème, c'est vous le problème. L'avantage que j'ai, parce que je ne suis pas pasteur, donc même si j'ai une église, les gens ne fuiront pas. Les pasteurs, peut-être, ils ont peur de vous le dire parce que vous allez fuir. Et vous n'allez plus venir. Mais je crois que ça changera le jour où les pasteurs comprendront que les fidèles ne sont pas des clients. Les fidèles sont une responsabilité. Et la responsabilité, c'est de dire la vérité aux gens. Vous êtes le problème. Si vous voulez le changement, commencez par changer. Et le changement, ça veut dire remplacer les mauvaises choses par les bonnes choses. Remplacer les mauvaises habitudes par les bonnes habitudes. Lorsque vous vous réveillez tout le matin, que dites-vous? Je vais terminer mon allocution avec mon propre témoignage. C'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que moi, personnellement, je suis quinoa. Non, moi, je ne suis pas quinoa. Depuis que je suis à Kin, ça fait 9 ans. Je crois que je suis venu en 2011. Moi, je viens de Mbandaka. Le village. Vraiment, ce que vous considérez comme village. Moi, je viens de là. Mbandaka, y a ma casse, Kenza. Si je commence à parler lingala, je suis en Mbandaka, puis là, pour Yokate.
Parce que nous, ça, il y a une distance. À Madaka, voilà ce qu'on disait. Tous les journalistes quinois sont des occultistes. Pour faire la télé à qui il faut être occultiste. C'est pas possible. Ça ne peut pas marcher. Ok. J'ai négocié ma vie étape par étape. J'ai perdu ma mère, j'avais 22 mois. Donc je n'ai grandi qu'avec mon père. Et en grandissant, on me racontait souvent que j'étais vilain, j'avais une grosse tête. Et il n'avait pas. C'était la faute, en fait. Si vous pouvez les marquer aujourd'hui. C'est vrai que j'ai grossi un peu, ça cache un peu. Mais, je connaissais un bruit, papa. Et j'ai grandi avec ça dans ma vie. Ces sentiments d'être petit, d'être rien, et je grandissais comme ça. Je pouvais faire 80% à l'école, mais quand je reviens, on ne m'applaudit pas, on ne me remercie pas, on ne me félicite même pas. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Mais j'ai compris à la fin que Dieu voulait que je ne sois pas orgueilleux. Parce que souvent les applaudissements vous tuent. Certaines insultes vous aident à évoluer. Faites le choix. Moi, je fais le choix de suivre les insultes, les tout. Ça m'a permis de revenir sur terre. Aujourd'hui, si tu me dis que Christian, t'es beau, je te regarde. Parfois, je ne dis même pas merci. Parce que je n'y crois pas de toutes les façons. Et encore qu'un homme ne peut pas être beau. Hein, ce n'est pas important. Un homme ne peut pas être beau. Un homme, c'est la tête, en fait. Pour moi, hein, la tête. Mais les gens respectent les beaux garçons. Je vous respecte. C'est Dieu qui vous a donné ça. Continuez à garder ça comme ça. Alors, donc, c'est en fait ça dans la tête. Et je grandissais comme ça, avec ça, je grandissais comme ça. Alors, je fais la télé, je commence la radio en Mbandaka. Mais je ne peux pas faire la radio parce que mon père était un avocat. Il ne veut pas que je fasse la radio. Il veut que je fasse le droit comme lui. Mon père pense que ma vie, c'est sa vie, en fait. Il pense que moi, je suis un cahier et lui, il va écrire ma vie selon qu'il veut. Alors, bon, je comprenais un peu. Ben, je fais la radio quand même. Pendant 5 ans, j'ai caché le nom de Bossembe, parce que c'est le nom de mon père, j'ai caché ce nom-là, j'ai sorti un pseudo. J'utilisais un pseudonyme pour qu'il ne sache pas. Et à un moment donné, quand il m'a surpris, on a fait un contrat avec lui. Je lui ai dit, papa, je t'aime beaucoup, tu sais, je t'aime bien, oui, d'accord, mais bon, on va faire ceci. Je fais le droit comme vous me demandez de faire le droit. Mais à contrepartie, laissez-moi faire le journalisme sans aller à l'école du journalisme. Comme ça, si j'échoue en droit, j'arrête le journalisme. Si je réussis en droit, tu me laisses continuer. Ok. L'avantage pour moi, je n'ai jamais échoué en droit et j'ai obtenu mon diplôme de droit. Mais quand j'arrive à Kin pour faire cours l'histoire, j'arrive à Kin, je me rends compte que c'est tellement compliqué. Docteur, j'ai introduit ma démarche dans toutes les chaînes de Kinshasa. Ils m'ont refusé. Et quand je dis que je venais de Mbandaka. C'est pas la veste comme ça, non. Là, vous avez la culture d'abord, village Dian. Je suis allé dans une chaîne, on m'a refusé. Avec la simple raison, je suis de l'Équateur. Et le monsieur m'a dit, à l'Équateur, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télé, tu mens. Pourtant, je venais de faire 5 ans. Je trouvais ça une insulte énorme. Je suis né à Goma, donc je pouvais dire aussi que je suis de Kivu. C'est depuis ce jour-là que j'ai dit, je n'échange pas mon identité pour un travail. Parce qu'en réalité, je suis le travail. Peu importe le temps, mon travail finira par sortir. Ce n'est qu'une question de temps. Et j'ai donc dit, je ne fais pas. Alors, je suis allé dans un autre média. Et je fais là-bas plus de 4 ans. Vous savez qu'on ne payait pas. Je fraudais des bus. Je fraudais des bus parce que je devais aller travailler. Je fraudais. Mais ma tactique était simple. Il faut être humble dans la vie quand vous êtes en position de faiblesse. Si vous voyez un taxi, même un bus, il faut regarder l'attitude du chauffeur. S'il a un tempérament gentil, tu peux t'excuser, tu entres, mais tu ne dis pas tout de suite que tu n'as pas d'argent. Mais ce n'est qu'en cours, tu commences à lui raconter des histoires qui vont lui faire plaisir. Et puis vous sympathisez. Et puis quand vous arrivez au bout du chemin, tu lui dis, « Chef, tu as la beauté, tu as la veste sautée, tu as les lots. » Et là, il regarde, « Ah, donc, je vais te mettre une pause, il y a la vie. » Comprendre, « Oh, tu me dégonnais. » Et il m'amène au campus, je descends. Et ma vie, c'était comme ça. Mais chaque fois que je le faisais, je disais à Dieu, « Le jour où cette situation changera, je n'abandonnerai personne en route. Je prendrai tout le monde droit dans la même direction en Anga et au compensé, ma maman, ça a été la vie en Anga. Et c'était comme ça, en fait. En fait, j'ai tellement cru que je finirais par être journaliste à qui ? Au point qu'aucune malédiction ne pouvait m'ébranler. Aucune, mais vraiment aucune. Et dans mes prières, je ne chassais pas les démons. Non. Je remerciais Dieu pour l'amertume qu'on avait. J'ai vécu au campus. J'avais un petit lit comme ça. J'avais $50 de la bourse tout le mois.
Vous savez, quand vous n'avez pas les $50, vous êtes bien. Mais quand vous avez les $50, vous avez mal à la tête. Parce que vous devez acheter les syllabus, vous devez acheter les habits, payer les transports. Tout était dedans. Mais entre-temps, vous verrez quelqu'un qui a $70 la semaine. En réalité, moi, j'ai un adage en Kimongo qui dit « Et tiki en foule, il n'aime pas tout. » Ça veut dire qu'un orphelin n'a pas besoin d'un cadeau. Il ne l'attend de personne. Ce qui arrive, ce qui arrive, je mange, je bois, je m'en vais. Je mangeais les chawarpins. Vous savez, chawarpins, ceux qui ont fait les campus de sable. Ma papa tcha mwamba. Non, mais un sucre belé. En réalité, tu voulais la personne n'y a son ligne. Mon corps, tu voulais ta ligne. Vitamine de pouvoir. Et moi, je. C'est pas au campus, puisque, quand moi, il va dans la vitamine, on s'en a l'air. Il va dans la vitamine, on s'en a l'air. Mais. À l'université, nous sommes dans l'auditoire comme tout le monde. Personne ne va contrôler mon ventre pour savoir qu'il y a qui chavarma et le qui hamburger. Il y a des endroits que je ne pouvais pas aller parce que je ne pouvais pas heurter mon esprit. Je finis l'auditoire, ça m'a permis de me concentrer aux études. Et quand je finis mes études, je finis avec une distinction. Je finis avec une distinction. Sans tricherie, sans corruption quelconque. De toute façon, tu vas comprendre quoi? Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Pas parce que tu es saint, mais la situation socio-politique, économique t'empêche. Dieu t'exemple, t'a dit, peut-être tu ne peux pas corrompre. Parce que s'il fallait corrompre, corrompre quoi? Je corrompre quoi? D'abord, moi-même, là, je suis un problème. Je vais corrompre qui? Et j'ai fini mes études comme ça. Et à la télé, c'est la même chose. Aujourd'hui, où je vous parle, j'ai une chaîne de télévision automatique. J'ai des employés. Et j'ai promis à Dieu qu'aucun employé ne fera un mois sans payer, sans être payé. Ce qu'on ne m'a pas fait, moi je le ferai aux autres. Ce qu'on m'a refusé, je le donnerai aux autres. Donc le problème, pour terminer, ça veut dire, mes frères, arrêtons de sataniser tout dans votre vie. Votre vie, c'est vous-même. Votre vie, c'est le courage que vous avez. Tous les matins, quand vous vous réveillez, qu'est-ce que vous dites? Parce que l'opinion la plus importante de votre vie, c'est celle que vous dites à vous-même. Vous, vous attendez les applaudissements des autres, vous attendez les encouragements des autres. Ça peut ne pas venir, alors que quand ça vient, c'est parce qu'on veut prendre quelque chose pour vous, chez vous. Soyez la mesure de vous congratuler vous-même. Soyez la mesure de vous encourager vous-même. Quand vous tombez, levez-vous. Ne vous regardez pas comme des échecs, ne vous regardez pas comme des failles. Si vous avez échoué une fois dans la vie, ça ne veut pas dire que vous avez échoué dans la vie. L'échec dans la vie, ce n'est pas l'échec de la vie. Alors, vous qui doit, disons-nous, pourquoi vous ne pouvez pas réussir? Dites-moi qui vous empêche de réussir. Il n'y a pas de policiers dans la route qui arrêtent des gens qui imaginent. Dans le monde des rêves, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de coûts. Pourquoi vous ne rêvez pas? Pourquoi vous n'imaginez pas? Ne prenez pas des excuses. Prenez des décisions de changer votre vie. Si ça marchait avec les autres, ça peut marcher avec vous aussi. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Je voudrais qu'en sortant de cette salle, considérez-vous comme des gagnants. Imaginez des choses. Produisez des choses. Ceux qui connaissent Coudre, au Coudre. Bato Bami Bokangasuki, Bokangasuki. Ndekomobali, Sokosana Makokite, Oni Nakote à Loufou. Wate Kasaka Makala, 7 000 francs. Saka Makala, 7 000 francs. On parle de 4 000 francs. Donc avec 50 000 francs, si tu attrapes 50 000 francs, tu peux aller trouver quelques sacs, tu viens avec un kim, tu vends des matins avec un sac à l'essor, sur place. Tu achètes, tu fais des tours. Bon, mais là, même qui a un parce que véritable, il y a un yemoko. Véritable, il y a un gazam qui sont là-bas, il y a yemoko. Véritable, il y a un gazam qui sont là un grand prêtre, l'équipe a voté. Arrêtez de demander, de quémander, arrêtez. Arrêtez, à partir de 18 ans, quand on est encore chez ses parents, ça doit nous embêter. À 24 ans, ça devient insupportable. Alors imaginez ce qui peut arriver à 27 ans et à 28 ans, ou à 30 ans. Ça peut vous choquer, oui, mais mes frères, trouvez une solution pour être indépendant. Et l'indépendance, c'est la tête. L'indépendance, c'est la foi que vous avez en vous-même et en vos capacités. Un jour, on a demandé à Moïse qu'est-ce qu'il avait entre ses mains. Il a dit qu'il avait un bâton, il a tapé, mais il m'a écrabonné. Aujourd'hui, si Dieu vous pose la question, qu'est-ce que vous avez entre vous? Je crois que Dieu vous bénira si vous décidez aujourd'hui de parler de moins en moins de Satan, si vous décidez aujourd'hui de devenir mieux qu'hier et moins bon que demain,
Que Dieu vous bénisse tous. Merci Christian, merci. Vous avez besoin de dire la parole. Donnez-moi quelques minutes. Donnez-moi quelques minutes. Tu prends ton téléphone, tu appelles Dr Chirac. Dr Chirac, il prend son téléphone, il appelle Maman Olive. Il dit, si vous m'avez descend. You understand the system. Because the world is this, no? Parce que le monde est ceci. When the people discover that you don't know, quand they lose vous interest. Savez pas, ils perdent leur foi en vous. So leader doesn't know to say, je ne sais pas. Mais le leader maintenant ne peut pas dire, je ne sais pas. S'il vous plaît, que ce mot-là ne sorte plus jamais de votre bouche. Yes. Je ne sais pas. Un leader ne le dit pas. That's the first challenge you have. Ça, c'est le premier défi que vous avez. Je ne sais pas comment on fait ça. Je ne sais pas ceci. Je ne sais pas. You know. If I pick up my phone, si je prends mon téléphone, le petit, the people I call in the US or I call somewhere là où il y a mes employés. J'appelle en Amérique ou quelque part où il y a mes employés. I ask a question. Je demande une question. They know already. Ils savent déjà. De quel nom tu sais, je ne sais pas. Qui ne peuvent pas me dire, je ne sais pas. If they don't know the answer, si ils ne connaissent pas la réponse, ils disent, docteur, ils diront, docteur, donnez-moi 5 minutes, je vous reviens. Mm-hmm. Il will go find the answer. Il ira trouver la réponse. Le monde appartient à ceux qui donnent les solutions, pas aux problèmes. Mm. On est fatigué avec le discours des francophones, des français. Vous êtes dans le discours. That's why America. Voilà pourquoi l'Amérique. Tu as besoin de poulet. Vous avez besoin de poulet? À 2h du matin, il y a un restaurant de poulet. Tu as besoin de riz. 3 a.m. À 3h du matin. You can go somewhere. Vous pouvez aller quelque part. Je prépare les riz, la nourriture, you eat. Vous mangez. You know what? Because America understands. Parce que l'Américain. When the world is sleeping. Quand le monde dort. Some people have to work. Il y a d'autres personnes qui doivent travailler. So leader doesn't know to say, je ne sais pas. Mais non, leader ne peut pas dire. That doesn't know to come in the mouth of the leader. C'est une phrase qui ne devrait pas sortir de la bouche d'un leader. You understand? Vous comprenez? You understand? Vous comprenez? When you don't know, quand vous ne savez pas, find a way. Trouvez un moyen. Call. Appelez. Ask a question. Posez des questions. Leader doesn't know to say, I don't know. Le leader ne peut pas dire, je ne sais pas. Le monde ne respecte pas les gens qui ne savent pas. That's the reason why les pays comme la France, voilà la Belgique, comme... depuis qu'ils sont dans leur position là, they stay there. Ils sont restés là, ils stagnent. Les États-Unis is way younger. Les États-Unis étaient à 1908. United States of America. Les États-Unis d'Amérique. À 1745, when we have the independence. Quand nous avons eu l'indépendance à 1745. À 1908, on a commencé à mettre toutes les structures. Everything. Il y avait la constitution déjà en place, tout ça. Mais les structures, les états ont commencé à se mettre depuis 1908. But look at this, no? Mais regardez ceci. Because they understood something. Parce qu'ils ont compris quelque chose. Le monde appartient aux gens qui ont des réponses. They provide answers. Ils ont commencé à donner des réponses. Alors, today, if I call. Someone, aujourd'hui, si j'appelle la dame de décoratrice, j'appelle le monsieur de réseaux sociaux, j'appelle, je dis, j'ai besoin que vous venez faire ceci, cela, tout ça. Il faut pas dire un client. Hein? Je ne sais pas, I don't know comment je vais le faire, I don't know tout ça. I will pay you already. Je vous ai déjà payé. You will lose clients. Vous allez perdre la clientèle. You don't want to lose them. Vous n'avez pas besoin de perdre votre clientèle. Go buy, go find for somebody else, buy and sell to them. Allez trouver, acheter chez quelqu'un d'autre et puis venez le revendre. Parce que what you don't know, c'est ceci. C'est que vous ne savez pas, c'est ceci. Si la personne là, that person go to another client. Si cette personne va chez un autre client, un autre vendeur. Voilà. He buy from another vendor. Et il achète chez un autre vendeur. Et il connecte avec ses vendeurs. Et ils ont pris contact avec cet autre vendeur. You lose the client. Vous l'avez déjà perdu. Now, next time he has an item. Maintenant, la prochaine fois quand il a besoin de quelque chose, he will ask that person who sold the last.
au vendeur qui lui a vendu la dernière chose. And then you're the one who had the contact, you lose it. Et vous qui avez été son premier contact, vous l'avez déjà perdu. You understand? Vous comprenez? You understand? Vous comprenez? Number two. Deuxièmement. Un leader, il ne dit jamais que c'est moi qui ai le chef. Il ne va pas dire que je suis en charge. Il ne dira pas c'est moi qui suis le chef, c'est moi le responsable. There we go. He doesn't know to tell people I am in charge. Il ne dit pas aux gens c'est moi qui suis le responsable. Because. Parce que. Like he was saying. Comme il est en train de dire. The strongest qualities. Les qualités les plus fortes. Or the strongest gift. Ou les dons les plus éminents. Sont mioués. C'est ça, non? Yes. They are mute. Ils sont muets. They don't talk. Ils ne parlent pas. But they produce results. Mais ils produisent les résultats. So, I give you an example. Je donne un exemple. Air France call. Air France appelle. Il dit à la vente en destination de Kinshasa, via Brazzaville. Préparez-vous pour l'embarquement. Ok? Ok. Hear this. Écoutez ceci. People, they line up. Les gens se sont alignés. Me, I'm in the back. Moi, je suis derrière. I know one thing. Je sais une chose. Dans le principe, I don't have to line up. Je ne devrais pas me mettre en rang. I'll tell you why. Je vous dirai pourquoi. Some people they line up. Et les gens se sont alignés. Me, I come in the back. Et moi je suis. You understand? People line up zone 1, zone 2, zone 3. And people travel the road. Les gens qui voyagent les savent. So they start boarding people. Ils ont commencé à embarquer les gens. I'm coming. Je viens. Avec beaucoup de respect pour ce que j'ai dit. I know pourquoi je te l'ai dit. I don't have to tell them I'm in charge. Je n'avais pas à leur dire que je suis responsable. I don't have to tell them that I am this one. Je n'ai pas à leur dire que je suis ceci. On a ce qu'on appelle the loyalty of the client. On a ce qu'on appelle la loyauté du client. With Air France. Avec Air France. I'm a client number one. Je suis leur premier client. People who travel there, they say I have a 6 million miles. Et ceux qui voient savent que j'ai 6 millions de miles. La distance, six, voilà. Yeah, 6 millions. 6 millions de miles. Donc, c'est-à-dire, I can take my miles. Je peux prendre mes miles là. Je transforme ça dans un billet. Okay. You understand? I have 6 millions. J'ai 6 millions. Which means that. Ce qui veut dire ceci. Anytime I'm in Air France, I'm in Kenyan Airways, I'm. In the Delta. Chaque fois je suis dans Air France, Kenya, Airways, Delta. I am the first customer who I have to enter to the plane. Je suis le premier client à entrer dans l'avion. So I can be in the back. Je peux être derrière. So I give you the instruction. I will just come. Je suis juste venu. I will pass all the lines. J'ai dépassé toutes les lignes. Tu es derrière, tu es devant. They don't understand. Ils ne comprennent pas. I don't have to tell them. Je n'ai pas à leur dire. I just have to take my ticket. J'ai juste pris mon billet. My boarding pass. J'ai juste pris. Boarding pass en français. Billet d'embarquement. Billet d'embarquement. I give agent. J'ai donné à l'agent. L'agent prend. Il prend. Il scanne. Il a scanné. On dit déjà 3B. 3B. Donc, déjà business class. Et puis il dit là-bas. 6 million miles. 6 millions de miles. Il dit, thank you, Monsieur Chirandi. Merci, Monsieur Chirandi. I get on the plane. Je suis monté dans l'avion. So all the lines étaient mad. Toutes les lignes étaient fous, folles. But they don't understand. Ils n'ont pas compris. It requires an investment. Ça a demandé un investissement. To be able to build what you build. Pour construire ce que j'ai construit avec eux. C'est because toi, si tu veux voyager, tu vas voyager par rapport au billet qui est moins cher. Mais moi, je voyage par rapport à la loyauté. You understand? Vous comprenez? Moi, je ne veux pas voyager. Je voyage Kenyan Airways aujourd'hui. Demain, les deux, oui. Moi, je sais Ethiopian Airlines. Je prends Ethiopian. Air Maroc. Je prends Air Maroc. Non. Me, I stay with one moi, airline. Je reste fidèle avec une société d'aviation. You understand? Vous comprenez? It becomes loyalty. Ça devient la loyauté. You understand what I'm saying? Vous comprenez? So when you know
your identity. Quand vous connaissez votre identité, you don't present who you are. Vous n'allez pas vous présenter qui vous êtes. Regarde. Hôtel du fleuve requires. Demande. Oh, hôtel du fleuve. Qui est dans hôtel du fleuve ici? Yes. Hôtel du fleuve, il est là. Requires that when you want to get in, quand vous payez, maintenant vous voulez qu'on paye avant d'entrer. Vous n'avez pas abandonné les services, vous voulez qu'on paye. Ok, il n'y a pas de problème. So they want you to pay in full. Il veut que vous payiez la totalité. He knows. Il sait. I don't pay in full. Je ne paye pas directement. I come. Je viens. My room is ready. You know that? Ma chambre est déjà prête. Because they know one thing. Parce qu'ils savent une chose. Monsieur Chirani, he will get mad here. Là, il va se fâcher. Ma chambre est prête. I don't have to do anything. Je n'ai rien All à faire. I need is de le voir. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de me dire. Il me dit, M. Chirac, c'est ça votre clé. Prenez votre clé. Il ne va pas demander, tu vas payer ou tu ne vas pas payer. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent que je suis leur client numéro 1 de l'hôtel du fleuve. Your identity. Votre identité. You don't have to shout that out. Vous ne devez pas le crier partout. C'est pourquoi le leader ne dit pas que c'est moi qui ai le chef. Le leader produit les résultats. Et les gens voient les résultats. You understand? Vous comprenez? Number three. Troisièmement. Un leader never say it's not my fault. Un leader ne dit jamais que c'est pas de ma faute. Non. Non. Un leader always assume. Assume toujours. En fait, a true leader, un vrai leader, he gives success to his collaborators. Il donne la réussite à ses collaborateurs. And he takes the chèque sur lui. Et il prend l'échec sur lui-même. So, un leader, if the things are not working, si les choses ne marchent pas, il dit que c'est ma faute. Et ce qui marche, il dit que c'est à cause de mes ouvriers, à cause de mes employés, c'est ce qui marche. Because Christian Bossembe, ce qui fait de toi être ce qui est, c'est quoi? C'est eux. So, quand il y a des succès, c'est vrai, le monde give you success. Bah, toi étant leader, tu ne remets le succès. You understand? Comprends. You take the failure. Vous prenez l'échec. And you give the success to others. Et vous donnez la réussite aux autres. Important. Important. Quatrième chose. C'est le troisième. Quatrième. Number four. Quatrième. A leader never say I was not there. Un leader ne dit jamais que je n'étais pas là. Non. Non. Anytime there is one of your person is there, you are already there. Toutefois que vous vous faites représenter, vous êtes déjà là. That's why you avoid some kind of sentence. C'est comme ça que vous allez éviter certains types de phrases. Number four. Quatrième. Cinquième. Number five. Cinquième. The leader never said, c'est à cause de moi que les choses réussissent. The leader don't say that. Le leader ne dit jamais ça. Il n'attribue pas le succès sur lui-même. On dit ça sur lui-même. But he gives success to other people. Mais il donne la réussite, le succès à d'autres personnes. The leader never said, number six, I don't care. Le numéro 6, le leader ne dit jamais ça m'est égal. Oh, je m'en fous. Leader don't say that. Well, that's number what? Seven, huh? Yeah. Number 8. Huitième. Le leader never not to say je veux et je peux tout de moi-même. Leader don't use those sentences. Mais un leader n'utilise jamais ce genre de phrases. Je veux ou je peux tout de moi-même. I can and I will do everything by my own. Je non. Veux, je peux tout de moi-même. Non. The leader never said it's impossible. Un leader ne dit jamais que c'est impossible.
because there is nothing is impossible on the earth. Parce que sur la terre, rien n'est impossible. Nothing. Rien. Everything that you look like is impossible, it's possible. Tout ce qui paraît impossible est possible. There are nothing on the earth is impossible. Il n'y a rien sur la terre qui soit impossible. I want you to change those vocabulary. J'aimerais que vous changiez ces vocabulaires. That was number nine. So we go to number nine. The leader never said, qu'est-ce que les gens disent de moi? He doesn't look for that attention. Il ne cherche pas cette attention. Jesus, somebody said, Jesus asked a question because someone asked. Voilà, quelqu'un me dira, Jésus lui-même a posé la question. He didn't say what the people are saying. Il a dit, qu'est-ce que les gens disaient? For what he's doing. Voilà. Qu'est-ce que les gens disaient sur ce qu'il faisait? What the people are saying? Qu'est-ce que les gens disent? Not what people are saying about him. Pas sur lui. What people are saying based on what you do, because your qu'est-ce action. Qu'est-ce que les gens disent sur ce qu'il fait? Parce que vos actions. Must speak louder than your words. Doivent crier plus fort que vos mots. Andy. Les gens doivent regarder ton design et ils disent it's a good job. C'est un bon travail. Quand vous faites un travail, make sure que tu fais un travail avec excellence. Make sure que tu. Vous avez vu, you came here. Vous êtes venu ici. You didn't find not even a piece of paper. Vous n'avez même pas vu un morceau de papier par terre. You know what? Because these people here, they operate with excellence. Ils travaillent dans l'excellence. I'm talking about my people. They je parle de mon équipe. Ils sont venus, ils ont if tout you come to our office si at home, vous venez à notre bureau, there is no paper on the floor. Il n'y a pas de morceau de papier, papier mouchoir. There is no something. Blanc. Even in La Sentinelle knows. Il sait. Everything must be clean. Tout doit être propre. So leader doesn't know to say, qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh, ils se cherchent une comme si là, c'est un déficit d'attention. Un malade, tu veux l'attention, you see. No. Your work must speak louder than your votre travail doit parler beaucoup plus fort que vos paroles. And then the last one, the leader that closed. Le peuple ne vont pas m'aimer, ou bien les gens, les employés ne vont pas m'aimer. Les leaders ne se notent pas. Les leaders ne se disent jamais ça. There are 10 things that the leader cannot say with his mouth. Il y a 10 choses qu'un leader ne peut pas sortir de sa bouche. Those things are important. Ces choses sont importantes. Number one, c'est quoi? Moi, la première, c'était quoi? C'est quoi? Dis en toi. Le leader ne dit jamais quoi, hein? Je ne sais pas. I want you to repeat après. J'aimerais que vous répétiez après moi. C'est je ne sais pas. C'est je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas que not come to your mouth. Ne peut pas sortir de votre bouche. Hey, je ne sais pas. Hey, non. Find a solution. Trouvez une solution. Les Français, les Belges, ils sont très forts. Tu sais pourquoi c'est la paresse? Because they know quand ils te disent je ne sais pas, ils te découragent. You don't ask no more questions. Je n'allais plus poser d'autres questions. Number two, le numéro deux, c'était quoi? Je suis. Je suis le chef de numéro deux. Ah, c'est moi qui suis le chef. Le leader does not say c'est moi qui suis le chef. Ah, vous savez quoi? C'est moi qui ai le chef d'intercession ici. Hein? C'est moi qui ai le chef de la jeunesse. C'est moi qui ai ceci. C'est moi qui ai ça. Non. You know how to identify the leadership of a kid. Do you know how to identify the leadership of a kid? Comment identifier le leadership dans un enfant? Go to the playground. Allez là où il joue, dans leur terrain de jeu. Il y en a un ici. J'avais vu un. C'est où, à Botana? Hein? L'endroit des enfants, il y en a un à Rotana. Oh, yes, à Rotana. Go there, regarde les enfants en train de jouer. Just observe them. Observez-les. No child will tell somebody say, I am the chief. Il n'y a aucun enfant qui dira à l'autre, c'est moi le chef. But when you are there, mais quand vous êtes là, you will know qui est le chef. Vous allez savoir qui est le chef de ces enfants. Un enfant va toujours dire aux autres, hey, come on, let's do this. Hey, that is the leadership. Ça, c'est le leadership. You don't say,
You produce. Vous n'allez pas dire. Vous ne dites rien, mais vous produisez quand même. My prayer and my encourage. Ma prière et mon encouragement. We want good leaders. Nous voulons des bons leaders. Le problème que nous avons dans la société today is because pourquoi les gens, tout le monde commence à envier la politique. You know why? Parce que we forgot our identity. Parce que nous avons oublié notre identité. Vous dites que c'est là où il y a l'argent. Non, l'argent n'est pas là. Normalement, dans un pays normal, les politiciens, d'abord chez nous, les politiciens ne voyagent jamais en première classe. Ça, c'est la première chose. I told you that. You know, never travel in the business class. Ils voyagent jamais en première classe. Si tu es sénateur, tu es congrès, tu es parlementaire, tu es président, parlementaire, pas président, tu ne vas jamais en première classe. Tu voyages toujours dans la classe économique. And the reason is what? Is parce que tu es considéré comme étant serviteur. Si tu ne peux pas entrer en first class, you pay your own money, you get it. Si vous voulez entrer en première classe, vous payez avec l'argent de votre propre poche, pas avec l'argent du gouvernement. Point number three, c'était quoi? Troisième point, c'était. Ce n'est pas de ma faute. The leader always assume. Les leaders assument toujours. Vous savez, vos relations aussi ne marchent pas parce que vous avez toujours des défenses. Hein? No woman, aujourd'hui on vit dans une génération qui est bizarre, même les femmes ne demandent plus pardon. Non, même, discussion. All I have to do, hein? Tu ris, hein? All I have to do, et si regarde, je vais appeler ton mari. All you have to do is say I'm sorry. Tout ce que vous avez à dire, c'est que je suis désolé. Le pardon peut résoudre beaucoup de problèmes. Number four, c'est quoi? Quatrième point, c'est. J'avais quitté ce terrain, ça c'est hein? Je n'étais pas là. Non. If you are not there, you are there. Si number vous n'êtes pas là, c'est que vous êtes là. C'est quel? Hein? C'est à cause de moi. L'idée dans le Sénat. Number seven, je m'en fous. L'idée dans le Sénat. Next one. Huitième. Je peux tout de moi-même. L'idée dans le Sénat. The next one. Neuvième. C'est impossible. He doesn't know to say that. Next one. Dixième. Hein? Qu'est-ce que les gens disent de moi? He's looking for the attention. The leader doesn't know là, to say that. C'est être à la recherche de l'attention. These are the things that the leader doesn't know to say. Ce sont des choses qu'un leader ne peut pas dire. Is the word that you have to stay away from toi comme étant entrepreneur ou entrepreneuse. You have to stay away from those words in your mouth. Voilà, restez très loin ou mettez ces mots-là loin de votre bouche. There are five things that the leader do. Il y a cinq choses que un leader fait. Write this down. Écrivez ça. Cinq choses que fait un leader. Un leader, un entrepreneur, un politicien. Tout celui, everyone that you are leading, there are five things you have to do in your life. Il y a cinq choses, quelle que soit votre direction, voilà. Si vous êtes leader, vous devez les faire. Number one. Le premier. You have to have a clear vision. Vous devez avoir une vision claire. Je me rappelle de mon interview. L'interview. C'est passé déjà. Il y a mon interview, hein. On m'a fait l'interview sur Binebo et à quoi encore, hein. FCC quoi. Et Gachia, Fachi et Kabila. Hein. On m'a fait l'interview. So, you can suivre. Il a fait l'interview, c'est déjà en ligne. Tu peux bien le suivre. Le problème qui se résume au Congo, it's one problem. It's a clear vision. C'est le problème de la clarté de la vision. So, a leader have to have a clear vision. Un leader doit avoir une vision claire. I need all of you. J'ai besoin de vous tous. Vous avez vu? Il a dit quelque chose. J'utilise le frère. Il est avec vous. Il vit avec vous. Il est ici parce que ce ne sera pas. And, c'est avec intentionnel que j'ai voulu que Maître Christian parle parce que is one of you. C'est l'un d'entre vous. Is one of you. Maître Christian. I identify him. Je l'ai identifié in my meetings. Dans mes réunions. Maître Christian
is one of you. C'est l'un d'entre vous. But he said something. Mais il a dit quelque chose. Je commence à crier. That's no good. He said something. Il a dit quelque chose. Que lui, sa vision, c'était de devenir journaliste. But the vision of his father was to become a lawyer. Mais la vision de son père était qu'il devienne juriste, avocat. And now, to avoid the problem with his father. Maintenant, pour éviter le problème de son père, he satisfied his father. Il a satisfait son père. And to avoid the problem with himself. Maintenant, pour aussi éviter les problèmes avec lui-même. And because if you miss your vision, parce que si vous manquez votre vision, you become poor. Vous devenez pauvre. The problem is to discover what is your vision. Le problème c'est de découvrir quelle est votre vision. Remember I said earlier. Rappelez-vous, je l'ai dit tôt. Discover what is your strength. Découvrez quelles sont vos forces. Because parce que Franklin, tu bois le coca, cherche-moi un bon micro. The problem is this, Lord. Le problème est celui-ci. Is that Dieu n'est pas injuste. Dieu n'a pas créé qu'un soit riche et l'autre soit pauvre. Ce n'était pas Dieu. C'est l'environnement et nos choix. It's your environment and your choice. C'est votre environnement et vos choix. Your choice. Vos choix. Oh, on a même dit, je suis né au Congo. D'ailleurs, Dieu a mis les richesses du monde ici au Congo. Donc si tu n'as pas de, vous avez des problèmes ici, c'est fou les problèmes. On the plane, dans l'avion, un des gens qui was close to me on the plane, quelqu'un qui était plus près de moi dans l'avion, is from Lebanon, il vient du Liban. You know what he told me? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit le Congolais. So I'm trying to figure out comment il est Libanais devenu Congolais. Mais il est Congolais. Un Libanais qui s'est dit Congolais. Mais là c'est ok. And then he told me. Et il m'a dit. Voilà. I always live in Africa. J'habite toujours en Afrique. So I was living before in Ghana. Avant, j'habitais au Ghana. Now I'm living in here. Maintenant, j'habite ici. In Congo. Au Congo. So, because he told me, he said, everything that he have in Liban. Parce que, sorry. He said, everything he did not have in Liban. Il m'a dit, tout ce qu'il n'avait pas au Liban. He has that in Congo. Il les a ici au Congo. Et c'est ça que Maître a dit. You need not to see the vision. Vous n'avez pas besoin de voir la vision. You need not to see the vision. You need not to see. Vous n'avez pas vu la vision. You need not take care of your own vous vision. Vous n'avez pas pris soin de votre propre vision. Now somebody else came and is taking care of that. Maintenant, vision. Quelqu'un d'autre vient et il s'en occupe. Ce que tu es en train de faire dans la vie, ce n'est que temporaire. It's just a temporary stage. C'est juste un. Le travail, it's just a temporary. Le travail, c'est temporaire. It's to try to sharpen. C'est essayer d'aiguiser your vision. Votre vision. What is your vision? Quelle est votre vision? What do you see about yourself? Qu'est-ce que vous voyez sur vous-même? What do you see about yourself? Qu'est-ce que vous voyez à propos de vous-même? And I agree with Maître Christian. Et je suis d'accord avec Maître Christian. You don't need a man to tell you what your life will become. Vous n'avez pas besoin d'un homme pour vous dire ce que votre vie va devenir. No, you have to identify what you see in your own life. Vous devez identifier ce que vous voyez dans votre propre vie. What is your vision? Quelle est votre vision? How do you see yourself? Comment vous vous voyez? Alors, when you see yourself, quand vous vous voyez, start putting those stuff in the action. Commencez à mettre en action les ingrédients que vous avez. So, the leader to a clear vision. Maintenant, les visionnaires, les leaders doivent avoir une vision claire. Mais, this Congo. Mais avant du Congo central. J'étais au Congo central. J'ai décidé, je t'avais dit non, je vais aller dans toutes les provinces du Congo. Et le jour où je vais décider de devenir président aussi, tu me donnes déjà la nationalité. Tu comprends? C'est temps-là, on aura déjà double nationalité. Hein? On aura même triple. Hein? On va changer la constitution. So we add additional citizens. Nous allons ajouter les nationalités. Vous tous allez voter pour moi, n'est-ce pas? Yes. Après, monsieur, si tu votes pour moi, tu auras le boulot. Et... Pas dans le gouvernement. Oui. Pas dans le gouvernement. Parce que mon cabinet n'aura que 12 personnes. Donc, only 12.
12 personnes. And 12 disciples of Jesus. Only 12. So, but I said this, that you have a job. I will create a way that so you can have a job. Je vais créer un environnement pour que tout le monde ait un travail. But if you vote for someone like me, I already create a job. Si, je n'ai pas de poste, je crée déjà des emplois. Je crée déjà. So when I have the power, je serai le président maintenant. Comment ça sera? 20 ou 28 ans. Yeah. D'autres personnes, who you put on my way, que tu vas mettre sur mon chemin. Hear me. Écoutez-moi. Care is important. La sollicitude est importante. Compassion. La compassion est importante. Concern is important. Se sentir concerné, c'est important. Help somebody else is important. Aider quelqu'un d'autre, c'est important. Do good is important. Faire du bien, c'est important. When you don't know, don't get involved. Quand vous ne savez pas, ne vous immiscez pas. Please. S'il vous plaît. Number five. Cinquième. And the last one. Et le dernier point. Number one, the leader have a clear vision. Premièrement, un leader doit avoir une vision claire. He takes responsibility. Il prend ses responsabilités. He delegates. Il délègue aussi le tâche. Show concern, compassion. Il montre care and courage. L'encouragement, la compassion, la sollicitude et la compassion. And number five. Et cinquièmement, the leader. Un leader. Understand this reality. Comprend cette réalité. What William Cohen said. C'est ce que William Cohen dit. The leader. Le leader knows the way. Connaît le chemin. Walks the way. Il travaille sur le chemin. Il fraye le chemin. Teaches the way. Il enseigne la voie. And shows the way. Et il montre la voie. There are four dimensions of the walk in the life. Il y a quatre dimensions de travail dans la vie d'un leader. Walk. Walk, la marche. Un leader comprend qu'il y a quatre dimensions de sa route. Et ça, c'est le dernier point. The first one, the leader knows the way. La première direction, c'est que le leader connaît le chemin. You cannot take the people where you never been. Vous ne pouvez pas amener les gens là où vous n'avez jamais été. In order to go somewhere, pour aller quelque part, you must know. Vous devez savoir là où vous allez. I will repeat this again. Je répète encore. The leaders, les leaders, has a four dimension of walk. A quatre dimensions dans sa marche. Four dimension. Quatre dimensions. Number one. La première direction. The leader knows the way. Le leader connaît le chemin. Number two. Deuxièmement. The leader shows the way. Le leader montre le chemin. Number three. Troisièmement. The leader teaches the way. Le leader enseigne le chemin. You know, he knows the way. Il connaît le chemin. He shows the way. Il montre le chemin. Number two, he teaches the way. Il enseigne le chemin. Number four, quatrième, he walks the way. Il marche sur ses chemins. You cannot take the people where you never been. Vous ne pouvez pas amener les gens là où vous n'avez jamais été. You must know the way. Vous devez connaître le chemin. Where are you going? Où est-ce que vous êtes en train d'aller? Are you just living on the life for the sake of living? Vous vivez le genre juste, vous vivez votre vie juste pour vivre. That's why c'est Kabila qui est ton problème. C'est Tshisekedi qui est ton problème. C'est le gouvernement qui est ton problème. Because you think that those people they live for you, but you must know the way. Vous pensez que ces gens-là vivent pour vous. Or, vous-même, vous devez connaître le chemin. Do you know where you are going? Savez-vous là où vous êtes en train d'aller? Where you go? Où allez-vous? The leader knows the way. Le leader connaît le chemin. The leader teaches the way. Le leader enseigne le chemin. The leader shows the way. Le leader montre la voie, le chemin. And the leader walks the way. Les leaders marchent sur cette voie lui-même. I came to challenge you in this place. Je suis venu vous défier en cet endroit. I came to talk to you this. Je suis venu vous dire ceci. That your level of your life, votre niveau de vie, cannot remain where you are. Ne peut pas rester là où vous êtes. You must look at yourself. Vous devez vous regarder. Je suis en train de continuer. You must look at yourself. Vous devez vous regarder. Every day in the mirror. Chaque jour dans un miroir. Tu te regardes. You look at yourself in the mirror.
ces Christians-là, je ne l'aime pas. Ces Flaviens-là, je ne l'aime pas. You have to look at yourself in vous devez vous regarder vous-même. I don't like this one. Je n'aime pas another one. Celui-ci, je veux quelqu'un d'autre. And how are you going to do it? Et comment allez-vous le faire? Remember, discover your strength. Rappelez-vous, découvrez votre force ou vos forces. What can you do with your strength? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre force? What can you do with your strength? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre force? I give them example of the Singapore. Je leur ai donné l'exemple de Singapour. I like to go a lot to Singapore. J'aime beaucoup aller à Singapour. I go to Singapore for two objectives. Je vais à Singapour pour deux objectifs. Number one for my political consulting. Le premier c'est pour la consultance politique. Number two because it's a country of rich. Deuxièmement parce que c'est un pays des riches. You know, I told you you are a product of your own attraction. Je vous ai dit que vous êtes le produit de votre propre attraction. What attracts you c'est is what you become. C'est ce que vous allez devenir. Whatever interests you is what you become. Ce qui vous intéresse, you are the summation of your own attraction. La summation de votre propre attraction. What is attracting? So I like to go and sit there. J'aime y aller et m'asseoir. I finish my work. Quand j'ai fini mon travail, I go down. Je m'assis. It's the country where Rolls is the voiture de taxi. Ok, c'est un pays où Rolls-Royce est un voiture de taxi. Rolls in taxi. What do you want to go drop? Où est-ce que vous voulez partir? Dans une Rolls-Royce et puis. It's a country where people are not impressed with their stuff because people have a ton of money. C'est un pays où les gens ne sont pas impressionnés parce qu'il y a des riches. So I said this to say to you. Je l'ai dit pour vous dire. You must refuse. Vous devez refuser what you don't like. Ce que vous n'aimez pas. Remember, I said you have number one. You have to do what you have to discover who you are. You have your strength. Je vous avais dit que la première des choses c'est de découvrir qui vous êtes, quels sont. Parce que I don't want you to quitter ici, tu es perdu. Donc on a parlé des mêmes choses. On va rester dans la même ligne. You have to discover your strength. Vous devez découvrir votre force. You have to create the limits dans ta vie. Vous devez créer des limites dans votre vie. Même dans vos relations. You have to create the limits. Vous devez créer des limites. L'homme, tu n'as pas le droit de parler n'importe comment à ta copine. Et femme, tu n'as pas le droit de parler comment à ton homme. Vous n'avez pas le droit de vous parler comment. Vous tous, si vous vous comportez en gros bébé, qui sera grand bébé? So, all of you, somebody has to be mature. Quelqu'un parmi vous doit être mature. In life, that's the way life works. C'est comme ça que la vie marche. In every dimension of life. Dans chaque dimension de la vie. Toi, tu fais l'homme. Tu veux l'orgueil, mais tu n'as rien. Rien. Put the limit in your life. Don't allow anybody to transgresser ce limite-là. Il y a des limites qui ont peur. Par exemple, moi, c'est la limite du respect. If you cross that limit, si peu importe qui tu es, cette limite, ça. My sister used to work for me. Ma soeur travaillait avec moi. Non, travaille pour moi. Work for me. Elle travaille pour moi. By mistake. Par erreur. Déplace son langage. Hein? Non, les gens qui sont à Paris là avec le langue français. Déplace son langage. The next day. Les jours suivants. J'appelle my manager. J'ai appelé mon manager of my company. De ma société. I said, write to my sister letter. Je lui ai dit, écris une lettre à ma soeur. She's been fine. Elle a été virée. Because parce que I don't confuse family with business. Je ne confonds pas le travail et les affaires. No, et la famille et les affaires. No. Trust me, I don't confuse that. No. Croyez-moi. That one never. Là, jamais. Famille et affaires, jamais. You are brother in the house. Vous êtes mon frère à la maison. You are no brother in the world. Vous n'êtes pas mon frère au travail. I treat everyone with equality. Je vous traite tous pareil. So, create that limit. Maintenant, créez cette limite. I want you to go out there. J'aimerais que vous sortiez. And I want you to go impact the world. Et j'aimerais que en sortant vous alliez impacter le monde. I want you to go down there. J'aimerais que vous puissiez partir. I want you to go change the world. Et j'aimerais que vous alliez changer le monde. Okay? I want you to go out there. J'aimerais que vous sortiez. Change this world.
pour changer ce pays. On va prendre trois questions avec Maître Christian et pour voir que Christian était au plus bout. On va prendre trois questions. Oh, quatre questions. Yes, première question. Vas-y. Du sang pour vous. Ma question, c'est au niveau. C'est situé au niveau de la pérennisation de tout ce que nous venons de faire. Frère, rapide, le français, vous avez beaucoup de tournures et beaucoup de points. Excusez-moi. Je voulais poser la question de savoir. Tu poses déjà la question. Tu poses la question. C'est comment pour la suite, parce que nous venons de suivre la conférence. Le leadership est un processus. Voilà. Oui. Vous nous avez parlé autour de, ce, de cette conférence. J'aimerais savoir la suite, parce que nous avons des notions. Oui, les notions que vous avez. Ça, j'ai fait ça gratuit, mais prochainement, je ne fais pas gratuit parce que je ne crois pas aux choses gratuites. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Où vous trouvez après cette conférence pour continuer le processus. Je ne parle pas de vous comme individu, mais l'institution. L'institution. Merci. Et tu touches quatre choses à la fois, tu es perdu. C'est ça le problème. La grandeur, ce n'est pas la quantité de ce que tu fais, mais c'est la qualité de ce que tu fais. Yes. Tu sais pourquoi quelqu'un préfère un façonnable, par exemple, peut-être à comparer avec Mouji. Griffe Mouji et griffe façonnable. Hein? Je n'ai pas façonnable, Mouji, parce que façonnable est détaillé. Malgré tout que moi, je n'aime pas façonnable, mais j'utilise ça parce que tout petit congolais, il devient riche, même pour lui, il devient façonnable. Donc, il est façonnable. Mais, tu as déjà vu comment c'est pas français, poudre, hein? Alors, comment il coule les habits et best. Meilleur. So it's the quality. C'est la qualité. Ok? Pour les maîtres, les promos FRP, alors qu'êtes-vous faire pour les promos FRP? C'est la première question. Deuxième question, vous avez dit que si un téléphone, 25 personnes, qui ne sont pas là pour corriger. Alors, si toi, si toi, n'as pas ces relations-là, comment faire pour que ça va ces relations? Est-ce que ton corps doit changer ou bon? Allô? Et troisième question pour le docteur. Quelqu'un peut avoir une idée claire, mais manque de moyens. Alors, comment il peut faire pour que les troupes aient dans ça soient réalisées? Et dernière question, dans les camps de notre pays, hein, et la jeunesse est beaucoup négligée. Même le gouvernement néglige la jeunesse. Alors, comment peut-on faire pour que la jeunesse puisse se retrouver dans notre pays? Pour devenir un état fort, mais il faut devenir fort, c'est tout simplement, il faut changer la mentalité des faibles que nous avons. Il faut d'abord commencer par définir les concepts. J'ai toujours dit que les concepts les plus utilisés sont les concepts les plus ignorés, plus utilisés. Comment nous définissons la force? C'est quoi la force? En réalité, nous sommes forts en acceptant de changer notre manière de faire. C'est au niveau de la dette que ça commence. Vous avez entendu un président de la République dire qu'il a échoué de transformer l'homme zaïro à l'homme congolais. En réalité, tout ce qu'il voulait dire, c'était simplement dire que j'ai échoué dans ma mission d'être président. Parce que quand on est président, sa première mission, c'est de transformer l'homme congolais. Transformer l'homme dans ce pays-là. Le premier potentiel, je veux dire, la première richesse d'un pays, c'est la qualité de la connaissance partagée par population, par habitant. Vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas des gens capables à transformer. C'est quand même impossible et même impensable qu'un pays comme la RDC soit un pays avec le cobalt, mais nous n'avons aucune école d'études de cobalt. Nous avons le cuivre, mais nous n'avons aucune faculté où on apprend le cuivre. Donc nous, on nous a dit qu'on avait le cuivre et on a cru qu'on avait le cuivre. Donc toutes les richesses que vous avez sont des richesses qui ont été découvertes par d'autres personnes. Alors que vous êtes le pays où il y a toutes les facultés carentes du monde. Donc, vous voyez tout ça. Alors, donc c'est un problème complexe, mais le changement, comme Gandhi le dit, c'est d'abord vous, tel que tu es là. Le rêve que tu as pour ce pays commence par le fidéliser, le partager, le construire et discuter avec les autres. Sinon, le Congo sera une histoire racontée par les autres. La deuxième question, c'était la question de savoir si... c'était quoi la deuxième question?
Oui, mais le problème, c'est d'abord, comment tu peux pas avoir des relations? Non, la famille n'a rien à voir avec les relations. Moi et Dr Shivandi, je ne connais même pas sa tribu. Et je m'en moque que je n'ai pas envie de savoir d'où il vient. Mon frère a parlé, je suis du Sankuru. Je ne vois pas assez que Sankuru vient faire dans une présentation. En fait, tant qu'on ne va pas nous, tant qu'on ne changera pas cette façon de nous présenter en fonction de nos origines, on ne changera jamais. Le problème, c'est que le monde n'a pas besoin de vos tribus. Le monde n'a pas besoin de vos ethnies, de vos origines. Le monde a besoin de votre capacité de vous adapter. Et vous devez faire des relations, mais des bonnes relations. Le docteur vous a dit comment il m'a rencontré et comment moi je l'ai rencontré. Le problème, c'est que comment faites-vous des relations? Si vous n'arrivez pas à faire des relations, est-ce que vous êtes capable de vivre, alors vaut mieux mourir. Parce qu'il faut faire des bonnes relations pour vivre dans la vie. Tu vois un peu? Donc ta relation à toi, la bonne question, c'est de savoir qu'est-ce que toi tu amènes dans une relation. Qu'est-ce que tu amènes dans une relation? Si les gens autour de toi sont moins importants, c'est que le premier moins important, c'est toi-même. Parce qu'autour d'une table, si tu trouves qu'il y a quelqu'un qui se fait avoir et que tu regardes partout, il n'y a personne, c'est que c'est toi. C'est que si tu es dans un endroit où l'on parle, l'idiot est là, le con est là, et tu regardes autour de toi, il n'y a pas de con, ça ne vaut pas la peine d'aller les chercher loin. C'est peut-être toi. Parce qu'en réalité, tu dois avoir des bonnes relations. Si tu n'as pas de bonnes relations, c'est que c'est toi qui n'es pas la bonne relation. Et comme tu n'es pas la bonne relation, la loi de l'attraction ne peut pas s'appliquer chez toi. Tu ne vas attirer que des hommes fouchés comme toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en sortant d'ici, développe déjà la mentalité de te dire je suis comme eux, je fais comme eux et je veux devenir comme eux. Comme je dis comme eux, ce n'est pas l'imitation aveugle. C'est faire exactement ce qui est en toi. Parce que si je te retourne la question, peut-être tu ne me répondras pas. Qu'est-ce que tu sais faire avec tes propres mains? Si tu peux me répondre, qu'est-ce que tu sais faire avec tes propres mains? On enlève les diplômes, on enlève les considérations et tout. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire, toi, personnellement? Qu'est-ce que tu sais faire? Oui. Tu coiffes? Ok, tu as... Mais c'est déjà important. Tu coiffes parce que toutes les têtes que tu coiffes, tu les connais? Tu as les relations? Tu vois, un bon travail est une bonne publicité. Parce que même le président a un coiffeur. T'en fais pas. Même le président a un coiffeur. Tu vois un peu? Donc, ça veut dire, le mal, docteur, moi je crois que nous commettons une erreur d'envier les talents des autres. Nous commettons la grave erreur d'envier les talents des autres. Mais je comprends, c'est un système de notre pays. C'est pourquoi chacun de nous doit découvrir sa force. Découvre ta force. Faites le pays dans lequel on évolue est un faux. C'est le mal. Le mal est lequel? On nous a tous mis dans une situation d'être des salariés et des fonctionnaires. En fait, on a été formés pour être des bureaucrates, des agents de bureau. Or, le professeur sait qu'aux États-Unis, quand tu as fini tes études et que tu es employé par l'État, c'est un échec. En réalité, tu as échoué dans la vie. Parce qu'en principe, c'est ce que tu sais faire avec tes mains. Si tu as un salon de coiffure, mais développe les salons de coiffure. Ne te vois pas comme un coiffeur seulement. Vois-toi comme un entrepreneur de coiffure. Et que grâce à toi, il peut y avoir d'autres salons de coiffure. Parce que pourquoi toi, tu te vois coiffer à 1700? Qu'est-ce que toi, tu peux faire à 1700 que l'autre coiffe à 10 $? Il y a des gens qui se coiffent à 20 $. 30 $, 40 $. Pourquoi toi tu ne peux pas le faire? Eux ont simplement organisé ce qu'ils ont fait et ils l'ont bien fait. J'ai rencontré une dame, je l'ai raconté une fois, elle me dit son fils est devenu homosexuel. Je dis pourquoi? Il dit non, j'ai dit il a quel âge? Il dit là, mon fils a 8 ans. Elle dit, ah ben il y a 20. 8 ans. Alors je dis pourquoi il est homosexuel? Non, parce qu'il aime préparer. C'est un garçon qui aime préparer, pour lui c'est un homosexuel. Alors je pose la question à cette dame, tu manges le shawarma? Oui, je mange. Tu es déjà allé à Alda? Oui, j'y vais souvent. Ils disent, tu trouves qui là-bas? Moi, je trouve des Libanais. Ils sont des Libanais. Ils sont des homosexuels. Oh non, non, non. Ils sont des musulmans. Ils ne peuvent pas être des homosexuels. Donc, vous voyez dans la tête comment ça fonctionne. Ça veut dire, vous refusez à votre enfant d'être pâtissier. Vous refusez à votre enfant d'être cuisinier. Vous refusez à votre enfant. Ça veut dire, vous tuez les talents à cause de la mauvaise qualité des informations que vous avez. Donne la valeur à ton emploi. Martin Luther King dit, vous devez travailler. Faites bien ce que vous faites pour que ce que vous faites devienne une identité. Au point que même lorsque vous êtes loin, qu'on vous cherche, on dit ah, l'expert là, domaine, c'est la rater. Nakamakambo, yemoute ba rosa. C'est-à-dire mite cachère, yomo mite cachère. La dernière, la propre, katasuki. La qualité n'a eu.
avec des prises sur le canal, la salon, on va dire, à coup de moi propre, les alliés, moi qui tiens bien les alliés, ainsi de suite. En fait, tiens, sucre, non, mon goût, non, salade, yo, mon goût, mon dont tu le vois, pour avoir l'état dans un moment. C'est toi-même qui construis ta vie et qui pense à ce que tu peux devenir. Moi, c'est Vanessa Locali. Ma question sera, c'est pas vraiment une question, mais j'aimerais bien un éclaircissement de votre part par rapport à un exemple que vous avez donné ici qui était concret. Vous avez parlé de quand on est face à une opportunité et qu'on n'a rien, on refuse. Pourquoi on doit refuser? Parce qu'on n'a rien. Bon, moi j'aimerais savoir, est-ce que si on croit, on refuse une opportunité parce qu'on croit en soi, on croit en ses capacités, on croit qu'on mérite mieux, c'est mauvais? Je répondrai sous réserve de notre maître qui va répondre. Je crois une chose. Mais présentement, une opportunité arrive. Le problème, c'est que parfois nos yeux ne regardent que le présent, on ne sait pas l'avenir, ce qui arrive. C'est-à-dire, prends d'abord ce qu'il y a. Chez nous, en Kimong, on dit « Okina, Okita ». Prends d'abord ce que tu vois. Saisis ça d'abord. Profite de la chose en entendant que tu parles là. D'accord, merci beaucoup. Jonathan. Jonathan, les gens veulent se renseigner si tu vas chez moi. Par exemple, tu as besoin d'être là. Moi, je vais leur donner comme ça.